Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Emmanuel. Bienvenue sur notre espace multidimensionnel. Alors c'est le thème et en même temps peut-être pas. On va voir pourquoi au fil de la soirée. En tout cas, bienvenue. Et je suis ravi. Merci pour l'invitation. Voilà, d'aborder avec toi un sujet qui fait beaucoup, qui fait couler beaucoup d'encre, qui est la non-dualité. Alors tout le monde a un avis sur ce qu'est la non-dualité. C'est ce que j'ai pu comprendre. En même temps. C'est pas tout le monde qui l'a atteint, et donc il y a ceux qui vont théoriser dessus, il y a ceux qui en font une expérience qui n'ont pas les mots, il y a ceux qui ont un peu entre les deux, et puis il y a le non-langage, il y a le langage, il y a l'explication, le mental, donc on va essayer de débroussailler tout ça avec toi ce soir, et en tout cas, ben voilà, je suis vraiment content de t'avoir, parce que c'est un sujet que j'attendais de traiter depuis longtemps, et voilà, et donc je suis ravi. Et ben écoute, je pense qu'on va devoir un petit peu te présenter. C'est pas ce que je fais d'habitude, trop. Mais je crois que ton vécu a un lien direct avec le sujet. Et je crois que justement, si nous touches un petit peu deux mots sur qu'est-ce qui t'a amené à ce que ce thème soit, je pense, plus ou moins central dans ta vie. Quel est ton parcours justement jusqu'à aujourd'hui, ce moment de cet échange. Voilà. Ok. comment on commence? Eh bien, si tu veux, il y a eu une recherche très jeune, une quête d'absolu. Alors au début, je pouvais que l'appeler que comme ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui pouvait transcender le monde relatif, c'est-à-dire le monde du changement perpétuel, le monde des mots, des contrastes, des j'aime ou j'aime pas, des opinions. Qui sont toujours limités par un point de vue. Et il me semblait qu'il n'y avait pas de vérité absolue dans aucune des opinions qu'on pouvait avoir. Et j'étais un petit peu obsédée avec ça, c'est-à-dire j'essayais de retourner à la racine de la pensée pour essayer de trouver cet absolu. J'essayais de, par tous les moyens, de me fondre dans cet absolu que je pressentais n'avoir aucune limite. C'est-à-dire... un espace où le petit moi qui se croit séparé du reste pressentait en tout cas que là il y avait une libération, il y avait un besoin de ça, de se fondre, d'être fondu, tu vois. Et ça pouvait se retrouver aussi après dans la vie ordinaire, parce que dans l'enfance il y avait peut-être aussi la frustration de ne pas trouver un amour inconditionnel. Et dans cet amour inconditionnel que je ne trouvais pas dans l'autre, dans mes parents ou dans la société, qui n'était pas reflété, il y avait aussi dans cet inconditionnel amour que je recherchais, il y avait quelque chose d'absolu. Donc ça se rejoint, si tu veux. C'est-à-dire que mon être intérieur, mon cœur le recherchait, et intellectuellement, je le recherchais aussi. Donc c'était tout ce que je pouvais mettre comme mot à une époque. Ça commençait jeune, hein, ça commençait à 8 ans, la quête. Wow, ouais. Mais les mots ont commencé à se mettre dessus vers l'adolescence. Et puis formellement, c'est-à-dire j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient en quête d'absolu aussi à l'âge de 17 ans, dont un ex-petit ami avec qui j'ai fait un parcours déjà de recherche. Et nous, on était dans une voie de présence, c'est-à-dire qu'on cherchait simplement à être ici et maintenant déjà. Et si tu veux, c'était l'essentiel finalement. A posteriori, je me suis rendu compte que l'absolu, en tout cas cet essentiel que je pressentais, nous donne l'impression de se trouver plus loin, c'est-à-dire d'être ailleurs, mais pas sur cette terre, d'être une quête qu'on ne peut pas atteindre, cet amour inconditionnel qu'on ne peut pas atteindre, donc d'être inatteignable, comme s'il fallait l'atteindre, comme si on devait toujours le chercher, d'être dans une certaine direction. Et en fait, tout pointait vers l'inverse, c'est-à-dire que pour pouvoir le trouver, en fait, il ne fallait pas bouger. Il fallait être ici et maintenant. Et ça se confirme au fil du temps, cette histoire-là, d'être de présence. En fait, la solution, c'était ça. Je te coupe deux secondes, ça me fait penser à moi, en fait, qui ai parcouru le monde entier, à voyager pour me trouver moi, si tu veux. C'est même aussi, finalement, la morale de, je crois que c'est l'alchimiste de Paolo Coelho, en fait, où il s'aperçoit que son trésor est dans son jardin, qu'il a parcouru jusqu'en Égypte pour trouver un trésor qui était, en fait, dans son jardin, c'est-à-dire sa maison, sa demeure. Est-ce que c'est un petit peu ça que tu essaies de nous dire ? C'est totalement ça, en fait. C'est totalement ça. Et, je me souviens d'une époque où j'étais torturée par les pensées.
qui cherchait à se résoudre elle-même. Le mental, il cherche des solutions. Et après, j'utilisais pas mal les drogues aussi. Hein. C'est-à-dire pour justement pour essayer d'aller par l'expérience, de façon empirique. Je faisais des tonnes d'expériences. J'utilisais du cannabis à l'époque, hein, mais peut-être dans des doses hallucinatoires. Je n'avais pas encore découvert les champignons hallucinogènes ou les psychédéliques, parce que ça arrivait plus tard. Ça, c'est arrivé plus tard. Mais déjà, avec ça, je faisais déjà des expérimentations, histoire de changer de point de vue. Parce que c'est ça. Comment est-ce qu'on peut modifier notre point de vue? Comment on peut faire des explorations de la conscience? C'est quoi la conscience? Et c'est quoi la pensée? Alors, moi, je restais un peu scotchée sur la pensée. Et ça, c'était l'erreur. C'est-à-dire que la pensée, elle essaye de... Si on cherche la racine de la pensée, par la pensée, c'est-à-dire on reste toujours dans les mots, dans l'histoire. Eh ouais. C'est tout l'enjeu de ce soir, d'ailleurs. Hein? C'est tout l'enjeu de ce soir, c'est comment aborder ces sujets avec les mots, pour lâcher les mots, en fait. C'est ce qu'on disait un petit peu en aparté. C'est ça. C'est le problème de théoriser tout ce qu'on va voir ensuite, c'est-à-dire de théoriser la non-dualité ou d'écrire des textes, de voir des tonnes de vidéos, d'en faire des concepts. Et à un moment donné, ça devient, pour ce qui est traduit par certains, comme lire le menu, mais pas goûter au plat. C'est-à-dire qu'on connaît les mots par cœur, on connaît le principe, qu'on comprend tout ça, la philosophie qui est derrière. Mais comment est-ce qu'on fait pour goûter au plat? Pour goûter au plat, faut passer par l'expérience directe. Et donc, bon, l'intérêt des vidéos que je propose, c'est ça, en fait, à la base. C'est-à-dire de proposer les mots guides, mais un peu comme je te disais juste avant, les mots guides, mais comme un hypnothérapeute guiderait quelqu'un. C'est-à-dire c'est subjectif, c'est-à-dire ça amène à percevoir autrement, à faire changer de point de vue. Donc, les mots sont utiles, mais simplement pour amener à une nouvelle vision. Et donc... Le but étant de transcender les mots, c'est-à-dire de sortir de la tête, en fait. On n'est plus dans la tête, on est dans la perception directe. Essentiellement, c'est quoi, la perception directe? C'est de sortir de l'histoire. Parce que le mental, il n'a pas, finalement, de solution à donner. Lui, il va tourner en boucle. Lui, c'est le relatif. Donc, si tu veux atteindre l'absolu, si en toi, il y a ce désir de transcender le relatif, il va falloir transcender tous les points de vue, tous les mots, toutes les opinions. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, par exemple, je ne sais pas moi, un génie comme Einstein, est-ce qu'il n'atteint pas un absolu par l'intellect? Ou est-ce que, je ne sais pas moi, quelqu'un qui créerait... Je ne vais pas théoriser sur Einstein, je t'avouerai, j'en sais rien. Non, mais disons que, est-ce que, par exemple, par le mental, on peut quand même arriver à un absolu intellectuel? Ou forcément, c'est pas possible, c'est perdu d'avance? Il me semblait bien que c'était Einstein qui disait qu'il avait des inspirations et que ces inspirations lui venaient quand il ne pensait pas, c'est-à-dire quand il faisait le calme, quand il faisait le vide, si j'ai bonne mémoire. Il faudrait retrouver une de ces citations, mais c'était vraiment ça. C'était, après, on ne saura pas, il faudrait qu'il soit là pour nous l'expliquer. Mais on peut le canaliser. S'il vous plaît, si quelqu'un peut canaliser Einstein, ça serait sympa. Et nous transmettre ce qu'il pense de notre conversation. Après Jésus, Saint-Martin et Marie. Oui, voilà, Einstein, voilà. S'il vous plaît. Je reviens à ce que tu disais juste avant. L'hypnose, finalement, c'est aussi parce qu'on change d'état cérébral. C'est-à-dire qu'on change d'onde cérébrale. Et ce changement d'onde cérébrale peut nous permettre de percevoir d'un autre point de vue aussi, si tu veux. C'est ça aussi, je pense, dans l'hypnose. Et peut-être que finalement, quand tu proposes une expérience directe, tu mets les gens aussi dans un état d'onde cérébrale modifiée. Tout à fait. C'est ce qui se passe. D'ailleurs, même quand je propose certaines méditations, je me mets moi-même dans un état modifié. Ça fait changer la voix et ça fait silence à l'intérieur, en fait. Tout le truc est d'arriver à ce silence mental, en fait. C'est un peu la base. Il y a un bouquin, j'y fais souvent référence, tu vois, c'est le Yoga Sutra de Patanjali. C'est un bouquin qui a été écrit il y a, je crois, 2000 ans ou plus que ça, et qui contient des versets. Et dans les premiers, il n'y a pas à chercher très loin, il y a tout est dit. C'est que le but du yoga, c'est l'arrêt du mouvement automatique du mental.
Et à ce moment-là, quand le mouvement automatique du mental, donc le monde relatif et l'attention qui est focalisée dessus, quand l'attention se décroche de ce monde relatif, c'est-à-dire de toute l'information, l'informationnelle, les mots, etc., de tout ce que ça veut raconter, ça peut aller plus loin, c'est-à-dire de tout ce qui est, de tout ce qui change, lorsque ça décroche, en fait, ça défocalise, que l'attention elle revient sur le sujet lui-même, sur l'observateur de tout ce qui bouge. Quand l'attention elle revient sur elle-même, c'est-à-dire qu'elle décroche de ce qui bouge, à ce moment-là, il y a un silence mental qui se fait. Et c'est ce silence mental-là qui est le but, en fait. C'est ça l'éveil, c'est-à-dire lorsque l'attention revient sur elle-même, lorsque la conscience prend conscience d'elle-même à ce moment-là. C'est-à-dire que l'attention, est-ce que je vais trop loin là déjà ou je non, sais pas vas, si ouais on va revenir je te vois sourciller. Non c'est que je voulais intervenir de toute façon ouais. On va développer tout ça je suis en train de perdre le fil. C'est dense. voilà ce que je voulais dire c'est vis-à-vis de ce que tu dis voilà c'est bon j'ai retrouvé mon fil. Ce qui t'a permis d'atteindre ce silence, si tu veux, c'est, de ce que j'ai compris, après tu vas nous confirmer ou pas, en tout cas pour moi ça a été ça, c'est aussi un moment, une expérience, mais qui peut être traumatique, ou une expérience qui peut être violente. Ou ce moment, en fait, si tu veux, où tu as un choc, qui, en fait, va mettre le cerveau en silence, en veille. Parce que c'est comme si c'est un mode de secours qui se met en branle, si tu veux. Et je crois que, ben, peut-être avec les psychédéliques, ou avec d'autres expériences, finalement, que ça soit une expérience de mort imminente ou toute autre forme d'expérience, si tu veux, qui amène à ces états-là, j'ai l'impression qu'on ne le prémédite pas. Et finalement, on ne choisit pas ce moment où on sort de nous-mêmes pour rejoindre cet absolu, finalement. Ce n'est pas quelque chose qui, en tout cas, dans ce que j'ai cru comprendre dans ton parcours, ce n'est pas quelque chose que tu as volontairement voulu attirer à toi aussi, peut-être, je ne sais pas. Je le décrirais pas exactement comme sortir de nous-mêmes pour rejoindre cet absolu, mais plutôt comme l'inverse, c'est-à-dire que c'est un arrêt du mouvement. Donc en fait, on va de nulle part. Comme tu me disais, tu te cherches en faisant des voyages, en allant loin, et je suis pas arrivée à... Enfin, la conscience ne s'est pas réalisée par les psychédéliques ou par... par tout autre médium, en fait. C'est ce qui est présent à tout ce qu'on va pouvoir voir sous psychédélique. C'est ce qui est conscient de ce qui s'y passe à l'écran, tu vois. C'est, peu importe ce qui se passe à l'écran de la télé, si tu veux, c'est comme si la télé prenait conscience d'elle-même. Oui, et la télé, c'est nous. Enfin, c'est l'observateur, quoi. C'est ça, c'est le sujet. Donc, le sujet lui-même, quand il prend conscience de lui-même, il ne peut pas se faire objet de lui-même, bien sûr. Il ne peut pas se regarder comme il regarderait ça, si tu veux. Ça, c'est ce dont il peut être conscient. Ce qu'on voit à l'écran, ce que vous voyez dans la pièce, ce sont des objets. C'est le monde des objets. Okay, c'est-à-dire ce qu'on peut observer à une certaine distance, apparemment en tout cas, de l'observateur. Qu'est-ce qui apparaît à l'écran de la conscience oui. À l'écran de la conscience, il apparaît, vous pouvez vous regarder, en fait. Tout le monde peut faire l'expérience à n'importe quel moment pour faire ce distinguo entre le sujet conscient et ce qui apparaît en lui. C'est-à-dire que la personne n'est pas le sujet conscient. C'est ça qui est peut-être... j'ai pas oublié ta question de base sur le choc. Hein. Voilà, c'était ça, oui. C'était ça, ma c'était ça, c'était ça le truc. Oui. Ça peut justement ramener... Un choc, par exemple, où ça peut ramener justement au silence intérieur, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a une forme de dissociation qui se fait d'avec oui. la personne qui se croit souffrante, d'avec les pensées qui tournent en boucle. Ce qui se passe, c'est que la conscience, elle peut se désidentifier totalement de ce qui se passe à l'écran. Comme une forme de dissociation. Comme une forme d'association, mais c'est pas la personne qui est dissociée de la vie, c'est notre vraie nature qui se repose en elle-même en fait et qui regarde en témoin. Ça peut commencer comme ça en tout cas, un éveil, vers la phase du témoin. Parce que dans ce que j'ai compris, l'idée de soi en fait qu'on se fait est fausse. C'est-à-dire que moi n'existe pas, ou je me trompe.
C'est que notre vraie nature, elle n'est pas limitée à la personne. Elle se Oui. manifeste en tant que Emmanuel ou Siné ou tout ce qui est. Ça, c'est son aspect manifesté vivant ou informationnel. Les sons, les couleurs, les visuels, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut ressentir, tout ce qui est du domaine de l'énergétique, tout ça, c'est ce qui se manifeste, ce qui bouge. Oui. Mais ce qui est présent, ce qui est conscient de cela, ça bouge pas. Et ça s'ignore. Et c'est ça qui se reconnaît. C'est ça, c'est l'espace de présence qui est présent à tout ce qui va bouger à l'intérieur. Donc à un moment donné, quand la personne, enfin la conscience au travers de la personne pense vivre un choc, ou quand il y a une saturation mentale, à ce moment-là, il peut y avoir un blanc, un pouf, un lâcher complet, une défocalisation. Parce qu'il y a un drame, parce que c'est trop pour le mental, à ce moment-là, il peut y avoir un lâcher, c'est-à-dire un retour au sujet lui-même. Oui. De façon assez dans le pouvoir du moment présent, Eckhart Tolle, il y avait une saturation pour lui, il y avait une saturation, une frustration intense par rapport à lui-même. Je pouvais pas vivre, je peux pas, je peux plus vivre avec moi-même, je peux plus vivre avec moi-même. Et c'est posé cette question est arrivée. C'est qui moi-même alors? On est combien ici, tu vois? C'était ça cette question. Enfin, je paraphrase. On est combien ici? C'est qui Oui. moi-même alors? Qui c'est qui peut pas vivre avec moi-même? Et en posant cette question, si le moi-même c'est devenu un objet. Donc il peut pas être, tu peux pas être ce toi-même puisque tu es ce qui observe ce toi-même. C'est pas du Alors, t'es qui? nihilisme, ça, quelque part? Enfin, la pensée nihiliste des philosophes ou l'idée de. Là, Enfin. on parle de. C'est très empirique, hein, parce que ce n'est pas de la pensée ce qu'on est en train de faire là. C'est-à-dire que si tu vérifies ça, tu vas arriver à un état particulier, un Est-ce que état tu de peux vide mental. nous faire expérimenter ça, justement? Là, rien qu'en le décrivant, si tu veux, si tu vas avec cette proposition qui est. De revenir à la source, c'est-à-dire qu'est-ce qui observe? Tout ce qui est observable, on peut faire une expérience, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez observer maintenant en conscience, dans votre champ de conscience? Qu'est-ce que vous pouvez observer? De quoi peut-on être conscient à un moment donné, maintenant, tout de suite? Pas plus tard, maintenant, là, tout de suite. Alors moi, le problème, c'est que j'ai la webcam, donc je m'observe moi-même. Parce que je me vois moi dans l'image, et toi d'ailleurs, tu te vois. Enfin, je nous vois tous les deux. Et disons que si tu enlèves toute référence mémorielle, ce que tu vois, tu sais, tu Je sais vois même, quelqu'un, oui. voilà, tu vois quelqu'un. Je vois une forme devant une bibliothèque, avec une autre forme devant C'est ça. une... Il est né, mais parce que tu sais lire et que c'est automatique, ok. Voilà, c'est Et ça. okay. Ouais. Donc il y a des formes, des couleurs, ok. Il y a le son de la personne qui est en train de parler. Oui. Si on regarde, si on lève les yeux, on regarde dans l'espace dans lequel on est, on peut percevoir de la lumière, des formes, etc. Oui. Okay. Donc là, rien qu'en faisant ça, en fait, on est présent. Donc déjà, il y a un truc qui se passe, c'est qu'on est ici maintenant. Donc il y a déjà un truc qui est en train de se modifier. Hein. On n'est plus en train de projeter des concepts, on est en train de vérifier. Là, on est en train de goûter le menu. Oui. C'est vraiment différent. On ne fait pas de philosophie, là, on est en train juste de vérifier, de goûter le menu. Et là, déjà, ça fait changer le son cérébral hein, quand on fait ça. C'est-à-dire qu'on n'est plus en train d'essayer d'analyser. Donc, de quoi on peut être encore conscient? On peut être conscient donc, de la voix. Donc, ça peut être. La voix, c'est juste un son. Bon, ok. Ça dit des mots, mais on n'est pas obligé de les comprendre. Ça peut être juste pur son. Pur son. Oui. Ok. On peut être conscient donc, des pensées qui arrivent, ok, qui passent. Après, J'en ai on peut être presque plus là. conscient. Voilà. Hein? J'ai presque plus de Pardon? pensée là. Je suis Parce que pleinement dans tu vois, ce en fait, c'est mécanique. Ça se fait en même temps qu'on revient au présent et qu'on vérifie tout ce qui est au présent. Ça change. Ça change notre état. Donc, qu'est-ce qu'on peut vérifier d'autre? Eh bien, qu'est-ce que je vois de moi, de supposément moi, de la personne? Si chacun de nous à la maison, on peut vérifier, on peut Bah, je voir. vois. Alors, moi, si j'oublie l'écran qui me filme, je vais Ouais. voir mes jambes, mes mains, mes bras.
mon nez, si je louche un peu. C'est ça, tu vois ton nez, moi, je vois le bord de mes lunettes. Voilà, et mes pommettes à la rigueur. C'est ça. Ouais. C'est ça, et il y a... Il y a la sensation énergétique du corps. Une sensation, ok. Si on porte notre attention là, il y a une sensation énergétique. Et il y a, ok. Et si on peut essayer de remonter jusqu'à la source de ce qu'il perçoit. Et là, on trouve rien, en fait. Parce que si vous essayez de retourner vos yeux sur eux-mêmes, ça ne va pas être possible. Ça, c'est le truc. Mais le fait même d'essayer d'aller jusqu'au sujet lui-même, le processus. Essayer de se voir soi-même. Parce que là, on n'est plus en train de parler de ce qui est perçu à l'extérieur, mais de la source de ce qu'il perçoit. Donc, c'est ça qui transcende, en fait, le monde des objets. C'est ça qu'on cherche. Mais d'ailleurs, les sens eux-mêmes ne peuvent pas se percevoir. C'est-à-dire que mes yeux ne peuvent pas voir mes yeux, mes oreilles ne peuvent pas entendre mes oreilles, ma bouche ne peut pas me goûter. Enfin, peut-être, mais voilà. Eh bien, c'est le processus d'essayer. Et c'est là qu'en fait, c'est ça qui. Non, mais est-ce que ton nez peut se sentir? Peut se sentir lui-même, non. Mais vraiment, en plus, c'est une des façons de pointer vers cette réalisation. C'est écoute tes oreilles, regarde tes yeux. C'est pas que tu vas voir quelque chose, c'est pas que tu peux te faire objet de toi-même. C'est le processus d'essayer qui stoppe le mental parce que l'attention, elle revient à sa source. Alors, la focale qui est normalement vers le monde des objets, vers ce qui bouge, revient vers ce qui ne bouge pas. Et c'est ça l'essentiel des Yoga Sutras de Patanjali, comme je te disais. Le mouvement automatique du mental s'arrête. C'est parce qu'en fait, l'attention, elle décroche de tout ce qui bouge en se posant la question qui est le sujet ou qu'est-ce qu'il regarde, être à la source de ce qu'il regarde ou écouter ses oreilles. Il y a un truc qui se passe, il y a un basculement de l'attention qui revient sur elle-même. Et là, il y a un silence mental qui se fait. Et là, il n'y a rien à voir. Mais par contre, il y a un silence. Et là, c'est crucial. C'est-à-dire que si vous prenez conscience de ce silence, oui, ça détend. Parce que ce silence, en fait, c'est la source du calme. Il ne se passe rien. C'est l'immobilité absolue. C'est le non-manifesté. Oui. C'est le potentiel. C'est la source non-manifestée. Oui. C'est ce qui est présent, c'est la présence elle-même qui va, ou l'espace de conscience, le soi aussi, on peut appeler ça comme ça, l'atman. Dans les Yoga Sutras, il appelle ça oui. L'atman. Oui. Qui se révèle, c'est-à-dire qu'il se révèle à lui-même. Et là, il se connaît lui-même comme ça, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se voir, il ne peut pas se sentir, il peut juste être présent à lui-même. Ça peut paraître paradoxal parce que les mots. C'est ce que dit Laurence, en fait, qui suis-je ? En fait, c'est ce qu'on est. C'est ça, c'est la réponse ultime, c'est qui suis-je ? Et qui suis-je n'est pas une réponse conceptuelle, c'est empirique. Qui suis-je, c'est quand le mental s'arrête et qu'à ce moment-là, il ne reste plus que ça, être, donc, si tu veux. Donc je pense, donc je suis est une hérésie. C'est l'inverse, en fait. Si je ne pense pas, je suis quand même, au contraire. C'est parce que. Il y a l'arrêt du mental, et là. Si vous ouvrez les yeux, la plupart auront gardé les yeux ouverts, j'imagine, mais vous pouvez faire l'expérience les yeux fermés ou ouverts, ça marche quand même. C'est que depuis cet espace de silence, eh ben, il n'y a plus de blabla intérieur, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'aller vers, il n'y a plus d'injonction, il n'y a plus de manque. En fait, c'est complet. Il y a une complétude qui s'est réalisée dans le simple fait de ce processus-là, le simple fait d'essayer ce processus, de revenir à soi en tant que présence, en tant qu'attention. C'est un but en soi, c'est pas plus loin, c'est pas... c'est le centre sans centre, c'est l'œil du cyclone, où il se passe rien, parce qu'on est ce silence à la base. Mais c'est notre identité réelle, c'est ça qu'on peut appeler le soi ou notre vraie nature. Et ça n'a ni début ni fin, c'est pas né. Ça se goûte. Vous revenez, vous faites le même exercice dans 10 minutes, ça sera toujours la même réponse. Ce sera toujours le même silence. Donc, c'est intéressant ce que tu dis, que finalement, la conscience, le divin, le soi, est immobile. C'est-à-dire que c'est comme si, finalement, il est cet absolu qui est à la fois tout et rien, et qui, en fait, est le terreau, quelque part, de la manifestation dans laquelle nous en sommes le résultat. Et donc, c'est comme si, finalement, toute la création
est en mouvement là où, en fait, le divin est immobile dans cette création en mouvement. Donc ça, c'est quelque chose déjà que je découvre avec toi. Mais du coup, j'ai envie de te poser une question simple. Je voudrais juste, comment dire, c'est à la fois vrai, mais c'est pas la totalité. Ah ben voilà, c'est ça. Ouais. Vas-y. C'est l'histoire de l'océan et de la vague. Donc là, on va rentrer dans le cœur de la non-dualité. Oui. Ça, je voudrais pas rentrer dans trop de concepts non plus. Mais il y a quelqu'un qui parlait de, je crois, dans les commentaires de la vague, justement. Oui. J'ai vu le mot. Et en fait, c'est quand on arrive à... C'est une pièce à deux faces. Donc la plupart des êtres humains ignorent cette face silencieuse, ce silence que nous sommes. C'est ce qui est présent, à peu importe les vagues qui nous traversent, peu importe les vagues émotionnelles, peu importe les vagues de pensée, peu importe les vagues de sensations. Je dis les vagues, mais ça, c'est une vague, toi, tu es une vague. Nous sommes deux vagues en train de nous rencontrer. Tu vois, c'est... Oui. C'est-à-dire que le jeu de la manifestation, c'est le jeu des vagues, c'est le jeu du mouvement, du changement perpétuel. Est-ce que pour autant, les vagues ne sont pas l'océan ? Les vagues sont encore l'océan, mais en mouvement. Oui. C'est la manifestation de cette totalité. Mais lorsque l'océan se connaît, il peut se connaître en tant que vague, mais s'il s'ignore en tant qu'océan, il y a souffrance. C'est-à-dire s'il croit qu'il est que la vague, il y a souffrance humaine. C'est ça que je veux dire. Oui. C'est-à-dire que s'il s'ignore en tant qu'absolu, l'océan, c'est l'absolu. Donc s'il croit qu'il est que ce qui change perpétuellement, le relatif, il y a souffrance. C'est-à-dire que ce ne sont que des points de vue changeants, c'est une quête de bonheur éphémère, une recherche après l'autre, une insatisfaction après l'autre, une demande d'absolu ou d'amour inconditionnel, une demande après l'autre, d'être complet. Mais l'océan est déjà complet. C'est pour ça que ce qui peut vraiment nous rassasier, qui rassasie l'âme, c'est de se découvrir complet, de découvrir sa propre unité. C'est-à-dire qu'une part de nous et fait partie de la... et duel. C'est pour ça que ça s'appelle non-dualité, voilà, et pas unité aussi dans le terme non-dualité, c'est que ça inclut la vague. La dualité. Voilà. Ça inclut la dualité, ça inclut la petite vague que nous sommes, et l'Emmanuel, le Sydney, tu vois. Puis, oui. Mais c'est juste l'océan qui se joue à être Emmanuel au Sydney. Oui. Qui se joue à être la vague. Oui, mais il est aussi... Il est aussi, c'est-à-dire qu'il est aussi, mais c'est au travers de cette petite vague qu'il réalise qu'il est l'océan. Donc c'est ça qui est merveilleux aussi derrière. Voilà, c'est ça. C'est parce que, oui, mais c'est ça qui est très ambivalent, c'est que, et d'ailleurs tu le disais un petit peu quand j'écoutais tes différentes vidéos, c'est-à-dire que il est à la fois le non-manifesté et le manifesté. C'est-à-dire qu'il n'est pas que cette conscience immobile, antérieure et postérieure à tout ce qui est, finalement, ou qui englobe. Il est aussi le petit personnage ou la petite vague qui se prend pour elle-même, si tu veux. Et donc, parce que si on voit que du point de vue d'absolu, on se perd aussi. Si je me dis, ben, on s'en fout, tout est un absolu, rien n'existe, je suis toi, tu es moi, je vais vivre que comme ça, je vais avoir du mal à composer dans ce monde, en fait. Enfin, je ne vais pas y arriver, d'ailleurs, si je suis que dans un absolu, en fait, tout le temps. Ça va être dysfonctionnel, oui. Ça peut être dysfonctionnel, mais... se connaître en tant qu'absolu et avec les extases qui viennent avec, c'est pas mal aussi, hein. Un temps. Oui, c'est ça, c'est comment on applique cette pensée, parce que bon, j'imagine les gens, ils écoutent notre émission, ils comprennent des choses, des concepts, bon, ils essaient des expériences, et puis ils retournent à leur vie. Mais comment on concilie cet état que tu décris avec, ben, demain j'ai mes gamins qui vont se lever à 7h, j'ai ma facture à payer d'impôts. Comment on concilie ces pensées, hein, dans une vie manifestée, en fait, sans souffrir ? Parce que ça peut générer encore plus de souffrance, ces compréhensions-là, finalement. Si c'est vécu de l'intérieur, ça ne génère aucune souffrance. Si tu veux, quand j'ai vécu ce basculement de perception, quand la conscience s'est réalisée, c'est-à-dire quand l'attention est arrivée à ce silence et qu'il n'y avait plus que le silence, j'avais bien conscience qu'il y avait des factures à payer, que mes parents attendaient toujours que je m'appelle Emmanuel et que je ne dise pas non, il n'y a personne, tu vois. C'est-à-dire que je suis l'océan, il n'y a plus de vagues. Non, je voyais bien qu'il y avait encore la manifestation, sauf que c'était pas encore équilibré.
Cependant, on ne devient pas plus bête qu'on est avant, si tu veux. C'est-à-dire qu'il y a possibilité de fonctionner comme dans l'ancien monde, dans l'ancien mode de fonctionnement, mais on sait que c'est obsolète. Et que depuis cette nouvelle perspective, on ne sait pas encore comment ça va s'articuler. Mais on sait qu'il y a un temps d'intégration de tout ça. Et c'est pour ça que ce n'est qu'une phase. Pour moi, l'éveil, ce qu'on appelait l'éveil, ou la réalisation du soi, c'est jamais qu'une phase. C'est-à-dire que c'est même que le début. Après, il y a une partie il y a d'autres réalisations à partir de là, tu vois. Est-ce que tu peux développer ça justement? Oui, on peut développer, bien sûr. Et je ne vais pas faire de généralité parce qu'en fait, il y a plein de cas particuliers. Et les personnes qui vont écouter ça ou qui écoutent ça maintenant, si elles ont écouté d'autres personnes qui vont parler de non-dualité ou qui ont vécu ce basculement, vont voir très clairement qu'il y a toutes sortes d'expériences. Et toutes sortes, il y a des éveils radicaux, des éveils progressifs également. Donc, j'ai en consultation individuelle toutes sortes de personnes. J'ai rencontré et échangé avec des personnes qui ont réalisé leur vraie nature aussi, qui ont vécu toutes sortes de réalisations en fonction, enfin, de façon différente, tu vois. Donc là, ce que je peux partager essentiellement ici, c'est déjà que il y a des éveils progressifs aussi, c'est-à-dire qu'on s'installe dans ça. Donc c'est pas forcément radical et dysfonctionnel. Ça peut être petit à petit, on apprend à goûter. Et pour la plupart, ça va être ça. Hein. Ça va pas être un éveil à la Eckhart Tolle où on va rester scotché sur un banc. Moi aussi, si tu veux, j'ai eu la chance de pas être comment dire. J'avais assez de moyens pour intégrer ça doucement, tu vois. Je pouvais passer 4 heures à contempler des buissons, personne ne venait m'embêter avec ça. Ça allait, tu vois. J'avais pas une vie de famille, des enfants, etc. Mais en fait, tout est parfait dans tout ça, parce que ça s'adapte. Ça s'adapte à la vie, ça s'adapte avec les circonstances. Je m'en aperçois en discutant avec d'autres. C'est pas... Ça trouve toujours un moyen de s'adapter, quoi. Il n'y a pas de souci avec ça. Et puis moi, j'avais dû organiser un déménagement juste après, quoi. J'ai vu que d'un pays à un autre, hein, tu vois, c'était complexe. Mais comment je vais fonctionner? J'ai plus de mental. Il y a plus de. Et en fait, si, c'est un autre mental qui est là. Il y a une autre façon de voir. C'est comme s'il était en périphérie. Donc, puisque ce que nous sommes est en premier plan, c'est-à-dire que c'est l'espace qui est présent au mental. Mais du coup, je ne suis pas le mental. Mais par contre, il continue de fonctionner s'il veut. Au début, on se dit, mais est-ce qu'il va fonctionner? C'est-à-dire qu'il y a une forme de nouveauté et de bizarrerie à regarder le monde depuis maintenant, sans injonction, sans histoire qui se raconte. Donc, on peut rester scotché dans le silence du non-mental. C'est très fascinant. Oui, C'est je très suis fasciné fascinant. d'ailleurs. Quand je m'imagine ce que tu racontes, je suis fasciné. Ouais. C'est fascinant, ça a l'air fascinant. Ouais. C'est fascinant parce que tu vas nulle part. Il n'y a pas d'injonction, il n'y a plus d'histoire qui se raconte. Donc, t'es là et c'est vivant, c'est senti. C'est libre, c'est extrêmement libre. C'est qu'il y a personne ne nous attend nulle part, en fait. Il n'y a pas vraiment d'injonction, si ce n'est celle qu'on se raconte, ou celle qu'on croit que certaines personnes projettent sur nous. Mais en fait, c'est tellement libre. Là, dans ce coup, on s'en rend compte, tu vois, il y a une liberté immense. Donc on peut rester assez fasciné par toute cette liberté aussi. Et puis c'est quoi de respirer, c'est quoi de se sentir être dans un corps, tu vois. Tout est vu depuis ce silence. C'est-à-dire que la sensation d'être, c'est comme les pensées, c'est comme une. Ça paraît à la sensation de l'énergie, c'est comme les pensées, c'est comme les émotions, comme toutes les manifestations. C'est que ça apparaît à l'écran. Au début, ça fait ça, en tout cas. Est-ce que c'est le moment où on observe l'observateur? Non, parce qu'il ne se voit pas, si tu veux. C'est tuer l'écran. Ou On peut tuer pas avoir la la. conscience. Tuer. Il n'y a rien à voir. C'est l'espace lui-même. Ah voilà, c'est ça. C'est ça ma question. C'est-à-dire, je comprends bien l'idée de sortir du Sydney pour percevoir depuis le divin, si on veut. Mais est-ce que finalement, on peut faire, bah, comme tu dis, regarder ses yeux. Alors, il y a regarder ses yeux depuis Sydney, mais il y a regarder ses yeux depuis le divin. Est-ce qu'on peut faire l'expérience du divin qui s'observe lui-même, mais depuis le divin, pas depuis la manifestation? Je ne sais pas si je suis clair dans ma question.
Ben, c'est l'exercice qu'on faisait tout à l'heure, c'est-à-dire que tu essaies de remonter vers la source qui perçoit. Oui. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu peux voir? Tu peux voir depuis ben, un regard, c'est-à-dire depuis une sorte de fenêtre, de focale, dans lequel apparaît des choses. Mais la fenêtre elle-même, elle est vide. Oui. L'espace lui-même, il est vide. Mais c'est ça que tu es. La Donc, conscience elle-même, elle est vide elle-même. voilà, c'est ça ma Tu... question. C'est en Oui. gros, tout est vide. Oui. Si tu te cherches toi-même, tu ne te trouveras pas, en fait. C'est ça le... C'est ça qui est... C'est ça qui est... C'est ça l'ironie de l'histoire. Donc, en fait, le divin, mais quand même, enfin, tu vois, ça soulève des questions. C'est-à-dire que le Enfin, tu ne te divin trouveras qui... pas en tant qu'objet, bien sûr. Non, Mais mais le voilà, fait mais le même d'essayer divin. de te trouver, ça crée un espace de silence. Ça Oui. fait qu'on voit depuis cet espace de silence. Mais du coup, le divin, quand même, qui est à la base de la manifestation, il sait qu'il est rien ou pas? En fait, ça peut aussi être... Oui, parce que... Ou il se croit quelque chose. Non, il se croit pas quelque chose. Il se croit rien. Il y a rien. Y a personne pour se croire que quelque chose. Donc il n'y a pas de divin. Est-ce que le C'est divin une est rien ou il impasse. n'y a pas de divin? C'est pas tout à fait la même chose. Le divin, est, pour moi, c'est rien et tout. C'est en fonction de là où tu te places et comment tu regardes. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est qu'une phase. Je ne pourrais pas te Ok. donner une réponse et paf, ça y est, c'est fini, quoi. Ok. C'est des expérimentations à faire. Et il peut être rien, donc il peut se connaître en tant que rien. Et même quand il commence à défocaliser du monde des objets, on peut faire ça dans des méditations très profondes. C'est-à-dire que réaliser que si tu fais. Si j'ai fait une méditation là-dessus, enfin, j'ai proposé une méditation là-dessus sur ma chaîne, qui s'appelle Méditer dans les ondes de l'extrême, l'onde epsilon, parce que c'est Ah une des oui. possibilités. C'est une des possibilités, c'est-à-dire qu'on défocalise des sensations, on défocalise des pensées. L'attention, elle défocalise, c'est-à-dire qu'elle lâche, elle retourne vers le vide, vers le silence intérieur. En fait, elle revient sur elle-même. Tout à l'heure, je disais, il y a une autre façon de réaliser sa vraie nature, c'est partir du postulat que vous êtes l'attention. L'attention elle-même. Donc pour vous trouver, vous avez loin à chercher ou pas? Non. Donc si elle essaie de se trouver elle-même, qu'est-ce qui se passe? Elle s'immobilise sur elle-même. Elle comprend qu'elle s'est déjà tout fait, enfin qu'il n'y a rien à chercher. C'est empirique, hein, c'est une expérience à faire, donc ça D'accord. s'immobilise sur soi-même. Et ça fait changer justement les ondes cérébrales. Parce que si tu vas nulle part et que tu reviens si tu maintiens l'attention sur toi-même, tu défocalises du reste, c'est-à-dire tu défocalises des pensées, elle défocalise en fait des sensations, elle défocalise de ce qui bouge. Et le fait même de focaliser sur rien, c'est-à-dire de maintenir une attention fixe, ça permet de se connaître en tant qu'attention fixe. Ça permet de se connaître en tant qu'immobilité, en tant que néant, où il ne se passe rien, en tant que silence absolu. Mais c'est une des possibilités. Ce n'est pas la seule. Ça peut mettre de se. On peut aller dans les ondes négatives, c'est-à-dire si on se focalise sur le rien, mais on peut aller dans les ondes hautes, les hautes fréquences. Et donc, à ce moment-là, on va se focaliser sur le tout, ou sur l'énergie. C'est-à-dire l'énergie, pour moi, c'est le divin manifesté quand il prend une forme. C'est comme si tu Mais disais on va dans les ondes lambda ou dans les ondes hyper gamma, quoi, en gros. Ou c'est pas du tout. lambda et hyper gamma, c'est pareil. En fait, enfin, Ah, d'accord. c'est Donc l'autre, ouais. dans l'autre sens, que tu as les L'autre ondes. dans le sens, c'est epsilon, c'est Voilà, epsilon. Ouais. entre 0 et 0, Mais le pire, .4 c'est ou que je crois que je .5 Hz. l'ai. Je crois que je l'ai là. Je vais l'afficher. Voilà. Donc c'est ça. Epsilon, c'est 0 à 0,5 Hz. 0,5. Et lambda, Gamma voilà. et plus. Ouais. Voilà, c'est Le ça. gamma et lambda, c'est ça, c'est vers le haut. Ouais, c'est ça. Merci. Ouais. Et Hyper.
Et ça marche, c'est un infini, c'est-à-dire que si que tu ailles dans une direction, donc que tu ailles dans une autre direction, ça se rejoint à un moment donné. Ouais. J'ai fait l'expérience dans les deux directions. Et quand tu vas dans les hautes fréquences, tu vas dans de l'hyper-présence. C'est-à-dire que tu es hyper présent à tout. Oui. Donc c'est toi la conscience présente à l'énergie en plus. Donc il y a un mariage de l'attention avec l'énergie, avec ce qui est. Et donc ça va encapsuler les sensations, ça va encapsuler le fait d'être, ça va encapsuler l'énergie vitale, le qui. Le On va qui, y être enfin, présent. le qui, Kai, Le enfin, qui, pas ouais. Kai, ouais. Qui, chi, Ouais, kundalini, d'accord. Ouais. énergie vitale. Et Shakti. Oui. Shiva, la conscience, et Shakti, l'énergie. En fait, quand les deux se marient, c'est l'union cosmique, en fait. L'union mystique, il y a une complétude qui se fait. Oui. Et c'est aussi ça, la réalisation. C'est-à-dire que quand la réalisation du soi, c'est quand. C'est pas juste vide, cet état-là. C'est-à-dire que quand. Sinon, ça serait pas drôle. Hein. On peut aller vers les ondes négatives et arriver au néant complet, ok. Mais quand il y a le basculement, il y a aussi y a réalisation que ça se passe dans l'être. Donc, si tu veux, c'est la conscience qui elle-même est vide, cet espace de présence. Mais en elle se passe la totalité. Ça c'est Shakti, ça c'est l'énergie manifestée, ça c'est le monde du multiple. Donc, la conscience qui est vide se marie avec la personne, avec le monde du multiple, avec ses émotions, avec ses sensations, avec tout ce qui bouge, en fait, avec la manifestation. Et c'est cette réunion des deux qui crée une complétude. Là, à ce moment-là, il manque plus rien. C'est complet. Donc, tu veux Comme, dire que c'est l'éveil une unité. et la complétude, c'est pas la même chose. Cette réalisation, c'est-à-dire que l'éveil, c'est la même chose. Que tu dis qu'il y a un état après ça. Oui. Mais c'est quoi Oui, cet état? il y a un état après ça. C'est-à-dire qu'il y a des phases, comme je te disais. Et des phases, c'est-à-dire que la première partie, c'est souvent cette réalisation que je ne suis pas ce qui change. Par contre, on peut déjà ressentir, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est on peut déjà ressentir l'énergie, c'est-à-dire cette inséparabilité du silence avec la sensation d'être. Et c'est ce qui est aussi décrit comme le soi, c'est-à-dire que c'est indissociable, en fait. Ça se passe dans le corps, ça se passe, c'est pas juste, c'est pas un éveil froid. Ça peut être un éveil froid, peut-être, je sais pas. En tout cas, je n'en ai pas l'expérience et je connais personne qui l'a vécu comme ça non plus. Ça crée une forme de dissociation avec le corps, mais je crois pas que ça soit possible. Donc ça, c'est vécu quand même à travers le corps. On est présent ici maintenant dans le corps, tu vois. C'est concret. Oui. Ce basculement, en fait, qui n'est qu'un instant, hein. Pas chercher des effets spéciaux. Les effets spéciaux, à la rigueur, ça arrive après. Toutes les petites réalisations, ça arrive après, mais ce basculement, c'est un instant. C'est lorsque ce qui est conscient prend conscience de lui-même. Oui. L'attention, comme je te disais, si vous partez du postulat que vous êtes l'attention, c'est comme si l'attention, ah, mais je suis là. Alors que je regardais la vie, je regardais tout ce qui bouge. Ah non, mais en fait, et moi, dans tout ça, tu vois, c'est un peu ça. Je la fais parler, c'est pour imager. Mais ça revient à ça. C'est alors, il est où le sujet? Le sujet de tout ça. Et c'est cet instant de ah, je suis là, ça se parle pas, mais où elle est présente elle-même, l'attention. Oui. Qui est le basculement, le retournement de l'attention? Oui. C'est tout, en fait. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de réalisation qui se fait à ce moment-là, en fait. La réalisation, c'est plus tard. Enfin, les compréhensions, les jetons qui tombent. Par contre, là, quand ça se passe, en fait, il peut y avoir des effets énergétiques, c'est-à-dire que puisqu'il y a un silence mental qui s'est opéré, on est apte non plus à être tout le temps en train de penser, mais à sentir les choses. Ça donne d'autres aptitudes. Donc il y a plus de place pour l'essence, pour l'intuition. Il y a plus de place pour l'écoute, pour certaines perceptions. Ça commence à arriver. Donc les effets spéciaux arrivent en fonction des personnes. Ça va être différent, ça aussi, tu vois. Il n'y a pas de règle. C'est plus ou moins multidimensionnel. Hein. Il y a plus ou moins d'effets de grandiose. Mais parce qu'il y a vachement de silence. Et même chez certains, il y a encore beaucoup de pensées.
Donc chez moi, c'était carrément vraiment un gros blanc silencieux. Pendant des heures, ça pensait pas. Donc il y avait énormément d'espace pour le multidimensionnel, il y avait énormément d'espace pour les sensations. Là, je vous dis, c'est juste un partage de ce qui m'est arrivé, de comment ça a été vécu ici, c'est tout. Oui. Mais c'est pas, il y a pas de généralité, tu vois. C'est pas un enseignement de si vous faites ceci, vous obtiendrez cela du tout. Oui. Par contre, ce qui va nous réunir tous, c'est cette réalisation de la conscience. C'est-à-dire que ce qui va nous réunir, c'est quand ce qui est au sommet, qui peut pas se voir lui-même, qui peut pas se faire objet de lui-même, prend conscience de lui-même. Oui. C'est tout. Quand il y a cette réalisation de la conscience, qui réalise qu'elle est là, de l'attention qui réalise qu'elle est là, il y a ce qui est généralement appelé basculement ou éveil ou réalisation. Mais un truc me surprend dans tout ça. Si je perçois depuis le divin, je suis le divin, et un jour, un être s'éveille. Et je m'étais pris pour la manifestation, et un jour, un être atteint le samadhi ou l'éveil. Et finalement, à travers cet être, je me regarde moi-même. Mais une fois que je l'ai fait une fois, cette expérience en tant que divin, et pourquoi j'ai besoin de répéter cette expérience sur tous les êtres, finalement, qui... C'est-à-dire que c'est si je vois du point de vue de l'humain, je vois l'intérêt. Mais si je vois du point de vue du divin, c'est que au premier être qui s'est observé, qui m'a observé à travers lui-même, eh ben c'est bon, tout ce que j'ai créé a pris sens, c'est bon, je peux arrêter. Donc pourquoi continuer cette expérience? Enfin, je sais pas si ma question est très claire. Ouais, ok. C'est une question qui vient d'un point de vue particulier. Parce que ce que je vois, c'est un désir de complétude chez la plupart des êtres humains. C'est-à-dire une impression qu'il manque quelque chose, qu'on n'est pas assez ou qu'on est trop quelque chose. Il y a une souffrance existentielle. On ne sait même pas pourquoi on est là. On cherche un sens, etc., etc. Il manque toujours quelque chose. On se croit être une partie du tout. On se croit, tu vois, il y a un problème d'identité à la base. Une sorte de problème. Et ben c'est pas, comment dire, c'est pas parce qu'il y en a un qui réalise sa vraie nature que ça va affecter les autres. Donc il y a une forme d'évolution collective là-dedans. Donc il y a pas un phénomène d'inconscient collectif, hein. C'est-à-dire tu vois, je sais pas, comme un enfant maintenant, il sait servir d'un téléphone à 3 ans, tu vois. Donc il y a un moment, il y a de la connaissance, hein. On est d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que c'est pour répondre à ta question. Hein. Bien sûr, mais je pense que ma question, elle est faussement. Enfin, je sais que tu peux pas répondre à la place du divin, et en même temps, si finalement, tu vois, c'est-à-dire comme moi, je peux y répondre, tu vois. C'est-à-dire qu'au final, c'est toujours l'idée de cette expérience. C'est-à-dire que si on imagine que la manifestation est une expérience qui aide le divin à se connaître lui-même, parce que finalement, à travers nous, il se rencontre. Mais du coup, c'est sans fin. Ou alors, est-ce qu'il faut que toute sa création se rencontre elle-même pour que ça soit fini? Est-ce qu'il y a un point de bascule? Est-ce que, enfin, tu veux, c'est-à-dire, c'est toujours l'idée du sens, du sens de la manifestation. Donc, est-ce que la manifestation est au service du divin pour s'observer lui-même? À ce moment-là, est-ce qu'il ne l'a pas déjà fait? Ou est-ce qu'il ne l'a fait que partiellement? Enfin, quel est le moment où l'expérience est réussie ou ratée, où on passe à une autre expérience, où c'est sans fin, où c'est un infini, enfin... Pour l'instant, il me semble qu'il y a une évolution collective, donc on va vers une multiplication de ces basculements à vitesse exponentielle depuis 2023 en particulier. Oui. Je vois que ça s'éveille comme des champignons qui poussent à l'automne, après la pluie. On est en plein dedans, d'ailleurs. Bon, c'est un petit peu c'est l'effet résonance morphique, je crois, que tu décris aussi, c'est-à-dire qu'un enfant de 3 ans maintenant il sait faire. Et c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Rupert Sheldrake qui a sorti le terme, je crois, de résonance morphique. C'est quand il y a une personne qui trouve une solution, d'autres personnes vont le trouver en même temps pour un problème, et puis ça sera plus facile pour ceux d'après, etc., etc. Parce que il y a un champ de conscience, en fait, tout simplement, hein, parce qu'il n'y a que la conscience, et que l'information, une fois qu'elle est connue, elle passe, elle passe
Oui. Donc on informe, à travers ces interfaces-là, ça informe le champ de nos perceptions. Oui. Donc chaque personne qui est, au travers chaque personne, lorsque la conscience s'éveille à travers une personne, ça fait boule de neige. Quoi. Oui. Mais le truc, moi, ce que je peux voir et constater, pour moi-même comme pour chez d'autres, c'est que c'est pas un but en soi. C'est-à-dire, c'est pas la finalité et après on s'arrête. C'était même le début. C'est que maintenant, à quoi ça sert l'éveil? Ben, maintenant, on va pouvoir vivre. Enfin. Maintenant, on va pouvoir vivre. C'est-à-dire, on pose les âmes, on est plus en guerre, on n'est plus en train d'essayer de se changer, on n'est plus en train de se dire je suis pas assez, je suis trop, je suis pas bien, est-ce que je dis les choses comme il faut, est-ce que lui il m'a fait du mal, est-ce que l'histoire des victimes et des bourreaux, le blâme sur autrui, les guerres, etc. À un moment donné, bah, ça se pose, tu vois, parce que on est, ça s'est tellement intériorisé, on a tellement, il y a une désidentification. Une fois que tu sais que t'es la conscience, t'es plus identifié au phénomène des pensées, t'es plus, oui, identifié au corps, t'es, oui, plus identifié à tout ce qui bouge en impermanence. Donc, c'est ça qui se passe essentiellement. Mais tu continues, oui, à jouer ta vie, c'est-à-dire qu'il t'est donné une chance d'expérimenter la vie à ce moment-là en tant que création. Ben comme le singe, l'écureuil, le chien, le chat ou l'escargot. C'est-à-dire que tu vois, c'est comme si nous, en tant qu'humains, on était allés tellement loin qu'en fait, on s'était perdu en chemin. Mais tu vois, tu dis à partir de maintenant, tu peux vivre. Oui, enfin, quand je vois l'écureuil, il vit déjà, en fait. Enfin, tu vois, genre, il est sur sa noisette, il kiffe sa vie. Tu vois, c'est-à-dire, oui, que. On n'a pas la même expérience aussi. Si tu veux, ce qui peut se passer quand tu réalises ta vraie nature, c'est que tu réalises que je suis toi. Ça réalise que je suis l'écureuil, ça réalise que l'ensemble, c'est la conscience, en fait. Il y a une expérience transcendante aussi derrière tout ça. Il y a possibilité Depuis la manifestation. À travers la manifestation, oui, ça se sert de l'interface. Ce n'est que le début, si tu veux, d'une nouvelle façon de voir le monde, d'une nouvelle, oui, façon de sentir les choses aussi. Oui. De ne plus être en opposition avec l'instant présent, de ne plus être en lutte avec ce qui est en permanence. Petit à petit, ça fait ça. Ouais. Tu pourrais dire que tu as trouvé qui tu es, du coup, à travers ton parcours. Oui, c'est plus une soustraction de ce que je ne suis pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver à une solidité, il n'y a pas une entité que je suis. Oui. Il y a. Dans cette première phase d'éveil, auquel beaucoup d'êtres humains sont en train d'accéder aujourd'hui, il y a la réalisation que je ne suis ni ceci ni cela, c'est-à-dire que je ne suis pas ce qui se manifeste, je ne suis pas le relatif, je suis pas, en fait, je suis ce qui est présent au relatif, je suis ce qui est présent à la personne. Oui. C'est-à-dire que la personne apparaît dans la conscience. Oui. La personne apparaît dans la conscience. Donc je suis la conscience et la personne apparaît en moi. Elle ne se soustrait pas, elle apparaît. C'est-à-dire que si je suis l'écran, il faut que je sois désidentifié de ce qui apparaît en moi. Si je reconnais que je suis la totalité, il faut que je me soustraie de l'identification à la vague. Je ne suis pas que la vague. Mais je le suis aussi. Je suis et la vague et l'océan. Après. Ah, d'accord, c'est pas en même temps. C'est pas en même temps, c'est pour ça que je te dis il y a la phase de séparation où tu arrives à la réalisation justement de ce je suis ultime qui transcende tout ce qui bouge, qui transcende l'impermanence du monde, qui transcende ce qui est appelé parfois la maya, l'identification à tout ce qui change, ça transcende l'identification, donc ça se libère de l'identification par cette séparation. C'est comme ça que ça sort de la souffrance. La souffrance, ça vient de l'identification. Sur l'exemple de la vague, donc on pourrait dire au début, je crois que je suis la vague. Ouais. Ensuite, je crois que je suis l'océan. Ensuite, j'apprends que je suis rien. L'océan, si tu veux, dans le sens où. L'océan, si tu veux, c'est déjà le rien. C'est-à-dire que je découvre que je ne suis rien et ensuite, je découvre qu'en fait, je suis tout. Parce que je suis aussi la vague. Je suis d'accord. Voilà. Donc là, après, on va vers l'unité. D'accord, d'accord. Parce que c'est pour ça qu'il peut y avoir une phase un petit peu dysfonctionnelle au début, c'est que je ne suis rien, et puis je suis dans l'être,
Il y a une forme d'immobilité. Et comment je passe dans la, comment je suis, je peux fonctionner dans la vie. J'ai du mal à être, à me mettre en action. Je sais être, mais faire, je suis pas douée pour ça. Tu vois, il y a un petit côté un peu paumé. Parce qu'il n'y a pas encore c'est pas encore équilibré avec le tout, avec le faire. Mais ça va se mettre en place. Ça se fait tout seul, en fait. Il n'y a pas besoin de s'en charger, il n'y a pas besoin de mettre de la volonté, il n'y a pas d'angoisse à avoir là-dessus, ça va se faire. Donc, si je réponds à la question Didier, nous saurons qui nous sommes quand nous nous serons complètement réalisés, aurons rejoint l'unité, quelque part. Quelque part, c'est le moment où on sait qui on est, dans ce que tu décris. Oui, quand on arrive à ce silence, déjà, on arrive à l'espace qui n'a ni début ni fin, qui n'est jamais né, c'est-à-dire qui est silencieux. Depuis lequel tout est perçu et en lequel tout apparaît. Et en fait, quand on dit résider dans le soi, c'est ça. Et ça permet à tout ce qui peut se manifester et qui bouge, de se manifester, de bouger. Ouais. Ça permet à la personne d'exister, même si elle paraît, si on paraît ne plus être identifié à la personne petit à petit. La personnalité, la personne, ses sentiments, l'activité ordinaire, les émotions, les réactivités, comme ça commence à reprendre place. Et ça peut donner l'impression, tiens, je suis en train de me recoller au personnage. Mais c'est pas possible, en fait. C'est l'unité, pour qu'il y ait vraiment unité et qu'il y ait intégration du personnage dans tout ça, pour qu'on puisse être fonctionnel, pas être que dans l'être, mais aussi dans le faire, etc. Il y a besoin d'inclure le personnage, mais ça va se faire tout seul. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir là-dessus. Quoi. C'est des inquiétudes qui sont pas justifiées. Qui se dissipent. Mais par exemple, je reprends la question de cette personne. Savoir qui je suis semble facile de votre point de vue, mais pour la source qui est tout, pour ainsi dire, c'est bien plus complexe. Et c'est le sentiment de ce que j'ai, en fait, c'est les questions un peu que j'essaie de te poser depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que, je ne sais pas si tu comprends la question. Pour la source, c'est qui est tout, c'est plus complexe. Ouais, c'est-à-dire finalement, c'est comme si finalement, le divin là, cherche en permanence qui il ou elle est, là où nous, il y a certains... humains, si tu veux, c'est comme l'idée des enfants-parents. C'est-à-dire que c'est comme si tu as le parent qui ne sait pas qui il est, mais tu as l'enfant qui sait qu'il est l'enfant du parent. Mais le parent se cherche encore, si tu veux. Tu vois, dans ce que tu décris, c'est un petit peu ça que je ressens. C'est-à-dire que la création du créateur, c'est plus qui elle est que le créateur lui-même qui continue à se chercher à travers sa création. Je crois pas que la création, c'est important en train de tourner dans un truc. Je crois pas que la création soit une entité séparée. Okay. Que pour moi, le moi qui se croit séparé en soi-même, c'est ça toute l'illusion. Donc là, on sort de ce cercle. Ok. Je te disais, quand j'étais plus jeune, je cherchais à fondre le moi. C'est parce qu'en fait, le moi qui se croit séparé, ou la vague qui se croit séparée de la totalité, c'est juste une opinion. C'est juste une représentation de soi, une identification, une croyance. Et ça passe par le mental. J'entends. Ça n'est maintenu que par la force du mental, par la force du verbe qui s'auto-maintient. C'est-à-dire que ce qui dit que je suis Emmanuel et toi Sydney, c'est un filtre, c'est une interprétation. Et dès que tu fais silence à l'intérieur, dès que tu coupes le sifflet aux pensées, qu'est-ce qui va dire qu'il y a une séparation ? C'est pas, on revient à l'expérience empirique à nouveau, c'est-à-dire que les preuves sont dans le gâteau, quoi. Faire goûter le gâteau. Les preuves sont dans l'expérience de voir qu'est-ce qui se passe quand je ne pense pas. En fait, ce que tu dis, c'est qu'on ne peut pas répondre à cette question parce que quand on en fait l'expérience, la question disparaît quelque part. Exactement. C'est...
C'est des fausses questions, quoi, si tu veux. C'est des questions qui cessent d'exister quand tu vois directement, c'est-à-dire quand tu as la perception directe, que lorsque y a plus de mental, lorsque il n'y a plus de blabla intérieur ou d'histoire qui se raconte sur les choses, il n'y a que la voix dans la tête qui va me dire il y a une séparation entre moi, entre ceci et cela, entre toi et moi, entre qu'il y a une distance. Quand tu commences à remettre les choses en question, que tu commences à les voir de façon neutre, de façon neuve aussi, c'est-à-dire dans l'instant, si je ne savais rien, si je ne faisais pas de référence à ma mémoire, ça c'est super utile aussi. Si je ne sais rien, si je ne tire pas de conclusion du passé, là on a une vision déjà directe des choses. Mais du coup, tu es dans mon expérience, je suis dans la tienne. On est tous les deux dans l'une de l'autre, ou aucun de nous deux. Comment concilier ça? Tu vas voir que c'est que des expériences, des réalisations une après l'autre. Là, tu commences. Là, t'en as une maintenant, mais après, t'en auras une autre. Et t'en auras une autre. Ça grandit en fait. Ton champ de perception s'agrandit en fait. On pourrait dire ça comme ça. Par exemple, là, si t'arrêtes de penser, tu vois qu'il n'y a, y a pas de distance. C'est maintenu par le savoir. Oui. Eh ouais. Où est-ce que je suis là? Je suis à une distance de toi, ou est-ce que ça se passe dans ta conscience? Mais je crois que c'est pas pareil si tu es en face de moi dans la pièce, ou si l'idée qu'il y ait l'écran aussi, ça, du coup, ben, c'est plus facile pour moi parce que j'ai mon casque de te voir en moi, si tu veux. Mais si tu étais en face de moi assise, je sais pas si je ferais la même expérience. Mais oui. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est si... ok, mais si, ton écran d'ordinateur, il est où? Il a une distance de toi, ou est-ce qu'il apparaît dans l'interface de la conscience? C'est un peu comme quand tu regardes un film, en fait. À un moment, tu es pris dans le film, puis tu cesses de dire « je suis dans un cinéma en train de regarder un film ». Tu es dans le film. Voilà. C'est ce que tu peux aussi... comme expérience, tu peux comprendre ça dans les rêves. Dans les rêves, tu crois que les personnes sont à des distances de toi. Mm. Tu crois que tu es en train d'avoir une conversation avec quelqu'un de séparé, qui a un moi séparé de toi. Mm. Alors que l'espace où le rêve. Mais c'est toujours cette idée de la souffrance. Parce que si tu te coupes la main, là, avec un couteau, je vais pas avoir mal. Tu vois. Donc. On est d'accord, ça se passe à travers des interfaces. Ouais. Parce que la conscience, elle se joue à se croire séparée. Mais en fait, c'est toujours la conscience. C'est-à-dire que, pour ça que je te dis, à la rigueur, on peut voir le monde un peu comme une grande hypnose de la conscience par elle-même. Ça marche comme ça, l'hypnose. Si tu arrives à faire croire à quelqu'un par hypnose qu'il est en train de le brûler, il aura une cloque. Ah oui, c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. C'est pour ça que tu peux moduler ta façon de voir, mais en fait, à la sortie, c'est que la conscience qui change sa perspective. Oui. Mais c'est que la conscience. Il n'y a jamais que elle. C'est-à-dire, c'est le divin qui se joue à être Emmanuel, c'est le divin qui se joue à être Ciné, et on se croit être séparé. Comment tu perçois le temps dans tout ça? Parce que quand tu me dis on fait une expérience, c'est hors temps, quelque part. C'est-à-dire qu'on est dans l'ici et maintenant. Mais quel est ton rapport au temps? Voilà, comment tu le perçois? Tu perçois que dans l'illusion du temps? Ou tu vois quand même que le temps aussi, dans la manifestation, a un sens? Comment tu perçois le temps? C'est encore cette histoire, c'est que tout est double à la fois, tout est paradoxal. C'est à la fois vrai et faux en même temps. Mais quand tu prends la perspective du hors-temps, tu vis la perspective du hors-temps. Quand tu vis la perspective de l'histoire qui se raconte, tu es à fond dans l'identification à l'histoire et tu as l'impression qu'il y a un temps qui se passe, une façon linéaire de penser. Mais une fois que tu prends la perspective du hors-temps, c'est-à-dire que tu es... il n'y a que l'ici et maintenant qui existe lorsque tu lâches l'histoire, justement, c'est-à-dire que lorsque tu ne fais pas référence au passé, tu as une autre façon de voir et une autre sensation d'être. Oui. Qui va avec. C'est comme ça que tu modifies ta perspective, tu modifies ta conscience. Donc en fait, tu es ce que tu crois. Oui. Si tu crois qu'il y a un temps, il y a un temps. Si tu vois directement
qu'il n'y a pas de temps, ben, tu vois directement qu'il n'y a pas de temps. C'est très littéral ce que je suis en train de dire. Attends, c'est pour ça que je te dis, en fait, il n'y a que des possibilités de perception. Comme il y a différents champs de fréquences, comme il y a différentes possibilités de percevoir en fonction des ondes cérébrales différentes. C'est un spectre, comme une onde radio. Oui. Et en fonction de là où tu vas comment la conscience va se percevoir, parce qu'il n'y a que elle, en fait. Oui. Même l'ego, c'est la conscience. Même l'identification, si tu veux, à être un moi séparé, donc l'ego, c'est la conscience. C'est juste, c'est une façon pour elle de s'expérimenter en tant que conscience identifiée à un moi séparé. Ok, c'est une réalité, c'est un des potentiels. C'est une hypnose, c'est une des façons. Mais elle peut être aussi complètement vide d'informations. Et à travers de moi, pardon, j'ai pu faire cette expérience-là. C'est-à-dire, j'ai pu vivre, la conscience a pu se vivre en tant que rien. Elle peut se vivre en tant que pure énergie, elle peut se vivre en tant que lumière, pure lumière, elle peut se vivre en tant que canal réceptif à d'autres entités, elle peut se vivre en tant que ceci ou cela, mais à chaque fois, ça va affecter la matière, en fait, ça va affecter les ondes cérébrales, ça va affecter la perception, il y aura des changements physiologiques également. C'est pas neutre, en fait, ça se passe aussi dans le corps. Un peu comme dans Matrix, quand ils se font mal dans la matrice, ils se font mal dans le corps qui est resté sur le fauteuil branché. Ouais, il y a quelque chose de ce genre-là, c'est comme l'hypnose, hein, vraiment. C'est-à-dire que ça a un effet. Et en plus tu t'apprends finalement à fonctionner selon un mode très, très plastique, quoi, très fluide. Alors que en tant que conscience, tu es tout. La totalité des possibles. Oui. Et il n'y a que l'identification à un moi qui se croit limité qui fait qu'on vit l'expérience de moi qui se croit limité. Oui. Et quand ça commence à changer, quand on ouvre les portes de la perception, à ce moment-là, on commence à avoir d'autres possibilités. Oui. Et c'est là où on s'aperçoit que c'est illimité. C'est illimité. Mais il y a quand même des constantes. Des constantes, oui, dans la matière. C'est-à-dire que. Il y a des constantes et puis il y a des préférences. Après, je te dirais, c'est comme l'hypnose. Moi, je fais mon gâteau à la sortie. C'est-à-dire que j'ai des... il y a le sujet complexe du libre-arbitre dans tout ça, etc. Il y a qui est le sujet du moment, j'ai l'impression. Vas-y, je suis très intéressé qu'on développe justement sur cette idée de libre-arbitre. Et ben c'est pareil, c'est très double comme truc. C'est que s'il n'y a que la conscience, il n'y a que le divin, qui est-ce qui est libre pour faire un choix en dehors? Il n'y a pas de moi qui peut faire un choix en dehors de la conscience. Donc il n'y a pas de. Il y a des choix, mais pour moi, le libre arbitre, c'est une fausse question. Parce qu'il ne faut pas dire qu'il y en ait vraiment un, et en même temps, on continue à faire des choix, parce qu'au travers de l'interface du moi qui se croit limité, le moi qui se croit limité, il croit faire des choix. Donc ça va continuer, ça, si tu veux. Mais ce n'est pas libre, ce sont des choix pas libres, pas vraiment. Ce sont des choix qui sont... C'est-à-dire, je ne peux pas... Où est-ce qu'on peut aller avec ça? C'est un vrai sujet, hein, parce que moi, c'est un gros truc. Ouais. C'est un gros truc parce que, au final, pour moi, ça soulève la question de à quoi sert l'expérience. Si l'expérience est de toute façon biaisée par le fait que c'est l'observateur qui s'observe lui-même, donc finalement qui n'est pas surpris par ce qu'il fait lui-même, du coup, on se demande à quoi sert toute cette création finalement. Tu vois, enfin. Pourquoi le divin s'est emmerdé à faire des planètes, des étoiles, des trucs pour finalement faire lui-même sans surprise? Bah si, c'est plein de surprises. Moi, je m'ennuie jamais. Hein. Je sais pas. Dans l'expérience qui est vécue, c'est surprenant. Ça continue de s'auto-surprendre. En fait. C'est pour ça que il y a un aspect yin et un aspect yang. C'est là où je voulais en venir. Ah voilà, voilà, voilà. c'est l'aspect force et l'aspect recevoir, l'aspect je veux et l'aspect je ne sais rien et je laisse faire. Et on peut expérimenter avec ça, c'est-à-dire que tu peux essayer, une fois que tu as compris comment ça fonctionnait le pouvoir de,
de manifestation ou la... pouvoir de la pensée quelque part. Enfin... Ouais, si tu veux, l'élan qui te donne envie de manifester quelque chose, c'est pas toi qui vas le chercher. C'est-à-dire que l'élan, il te vient, la pensée, elle te vient toute seule. Donc c'est en ça qu'il n'y a pas vraiment de libre arbitre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moi séparé qui serait au contrôle d'un truc. C'est-à-dire que même dans l'absolu, il n'y a que l'absolu. Dans l'absolu, il n'y a que l'absolu qui se joue à être un moi séparé. Dans l'absolu, il n'y a pas de libre arbitre. Mais dans le relatif, on va commencer à jouer. Et dans le relatif, on va pouvoir prendre deux possibilités, deux positions. Position yin, c'est-à-dire je reçois et je laisse faire. Je vis comme si je n'avais pas de volonté personnelle. C'est mon truc favori, mais de temps en temps, j'aime bien expérimenter dans l'autre direction aussi. C'est pour ça que je te dis, chacun fait son gâteau à sa sauce. L'un à l'autre aussi, tout le temps, je crois. Ouais. J'adore ça. Ouais. Et voilà, c'est pour ça que ça peut rendre les gens un peu confus sur ce que je raconte des fois en termes de libre-arbitre, hein, mais c'est parce que les deux sont vrais. C'est comment je me positionne, de façon yin ou de façon yang? Parce que je reçois l'information, et je suis avec tout ce qui est. Pur canal mais, voilà, exactement, pur canal. Je ne veux rien, que ta volonté soit faite. Moi, séparé, ne veut rien, que ta volonté soit faite. Et moi, ça, c'est mon mode favori de fonctionnement. Parce que là, j'ai vu quand mes choix étaient, entre guillemets, mon seul choix pour moi, c'est mon seul libre arbitre, c'est de le donner, si tu veux. C'est d'avoir le choix de lâcher prise, d'avoir le choix de dire que ta volonté soit faite. D'ouvrir ou pas le canal, quoi, hein, quelque part. D'ouvrir ou de fermer ce canal, quoi. C'est ça, c'est-à-dire de ne pas résister, quoi, de te dire, OK, ce qui est, et tout est bien. Il y a des gens, ils vont manifester leur place de parking au supermarché quand ils arrivent, tu vois, ils sont très doués pour ça. J'avais une discussion avec des gens, il y en a plein qui font ça. Ils disent, allez où ma place de parking? Et puis ils la cherchent, ils la trouvent, tu vois. Et ce truc-là, c'est assez facile à faire, je l'ai testé aussi. D'autres choses, hein. Ça, c'est assez trivial, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent, vous pouvez voir que ça marche, en fait. Changer le temps qu'il fait. Par exemple, je ne sais pas si c'est... Oui, peut-être. Ouais, ouais. Enfin, j'ai testé des trucs comme ça, je me dis, putain, mais ça, en fait, tu as un élan qui arrive, tu t'associes de la joie ou une intention innocente. Oh, ça serait bien si... Et paf, ça arrive, quoi. Synchronicité, des situations improbables qui arrivent. Bon, OK. Donc, la pensée... associé à une visualisation, associée à de l'émotion, ça fonctionne, ça manifeste les choses, très bien. Est-ce que je vais m'amuser avec ça? Est-ce que je vais provoquer des situations? Est-ce que je vais manipuler tout ça? Ben, quelque part, moi, c'est amusant, on pourrait, mais c'est très, très yang. Et en même temps, je te dirais, si vous avez envie de jouer, faites. C'est-à-dire que c'est pas une voix que... Pour la plupart des choses, je vais disons essayer de ne pas fermer le truc. C'est-à-dire que probablement pour certains aspects, c'est très intéressant. Par exemple, utiliser l'intention pour rester dans l'amour. Moi, c'est une façon yang de dire je choisis l'amour. Je manifeste la fréquence et je prends responsabilité pour l'énergie que je dégage. Je prends responsabilité de ce que j'amène dans une situation. Et c'est très long, c'est pas ce qui est, je suis traversée, je me laisse traverser partout, n'importe quoi, et puis Dieu va, tu vois, et si je suis en colère, je me lâche. Non, s'il y a une forme de, tu sais, de. Une volonté passive, une volonté réceptive quelque part. Ouais, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe, ouais, mais. Donc là, s'il y a une forme de choix de rester dans ça, c'est-à-dire de préférence. Mais aussi parce qu'il y a un savoir que. Que c'est un appel du cœur. Donc, c'est aussi, ça aussi, si tu veux, d'une certaine manière, je ne le choisis pas. L'autre aspect, ça ne me plaît pas. Je ne peux pas. C'est-à-dire, je ne peux pas ignorer cet aspect-là, quoi. C'est-à-dire de... Mais est-ce qu'il n'y a pas un yang plus équilibré, enfin, parce que là, tu nous décris un yang yin encore, mais est-ce qu'il n'y a pas un yang vraiment yang qui est en équilibre, si tu veux? Il y a plein... Quand je te dis un yang, c'est-à-dire que tu peux... Tu peux manifester plein de choses, tu vois. Quand tu maintiens ton attention quelque part, tu peux tester l'hyperprésence, tu peux faire toutes sortes d'expériences de conscience qui sont très yang. Oui.
La manipulation, tu vois, du chi aussi, c'est quand tu pointes, tu focalises sur la pure lumière, c'est-à-dire s'il y a une intentionnalité. Il y a des tonnes de choses qui amènent, qui demandent de l'intentionnalité, tu vois. Et ça, c'est, il y a un aspect yang, mais l'aspect yin, c'est, pour certaines situations, c'est. Peu importe ce qui se passe, cela est déjà. C'est déjà, ça suffit déjà et c'est déjà ça. Et je ne veux rien. Je ne veux rien manifester. Et là, à ce moment-là, il y a une autre force qui arrive. J'ai eu énormément de surprises comme ça, de miracles qui arrivaient ou de choses qui se passaient, qui étaient beaucoup plus fluides. Le flow arrive lorsque je ne veux rien. C'est pour ça que je dis, faites à votre sauce, testez. C'est aussi pour ça que ça se fait, ce Tel que tu jeu-là. le décris, on pourrait croire qu'il y a de l'ego dans le yang et qu'il y a une forme d'humilité dans le yin. Ou en tout cas, Non, qu'il oui, non. En fait, ça dépend sur quel sujet. Ça dépend sur quel sujet. Parce que choisir l'amour, c'est pas de l'ego, c'est du cœur. Mais par contre, Oui. tu as une intentionnalité, tu vois. D'accord. Et en même temps, avoir l'ego, c'est. Enfin, tu vois, par exemple, moi, je sais que j'adore jouer à l'humain. Qui oublie qu'il est le divin et ça peut me faire marrer à certains moments de jouer à l'humain. Et du coup, on pourrait dire que j'ai de l'ego dans ce moment-là, mais en même temps, j'adore ça, tu vois, parce que pour moi, ça fait partie de l'expérience aussi, d'oublier qu'on est le divin à certains moments et de se marrer à se croire le personnage dans le film. Pour moi, c'est aussi une forme d'expérience que je trouve alignée. Je dirais pas que c'est, tu vois, de le renoncement qui est la Mais voie et l'expérience qui est absolument, pas bonne, en fait. mais tout est parfait. Le truc, c'est que il n'y a pas de rigidité, tu sais, dans tout ça. Bien sûr. La conscience, ça s'appelle ou pas à se reconnaître elle-même, s'auto-appelle à se réaliser. Mais en même temps, tu vois, Ou pas. dans ce que tu voilà, dans ce que tu c'est pour moi là, on touche un sujet un peu ambivalent parce que tu dis aussi dans certaines de tes vidéos que finalement, pour atteindre cet état-là de non-dualité, il faut quitter le vouloir. Et quand je suis ce petit humain dans le Et vouloir. pas que, une fois de plus. Ouais. D'accord. Et pas que. C'est C'est-à-dire que est-ce que je peux être réalisé et à la fois réalisé et encore me croire séparé? Ou est-ce que finalement je quitte? Enfin, est-ce que je peux vivre ces deux états simultanés en fait? par exemple, je donne un exemple concret. Est-ce que la pratique, c'est important? Est-ce que méditer, ça sert à quelque chose pour réaliser sa vraie nature? Est-ce Oui et parce qu'il y en non. a qui vont dire non, il n'y a rien à faire, etc. Ben c'est toujours oui, c'est toujours oui, non. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que ça vous amène à être ici maintenant, ce que vous faites? Parce que si peu importe ce qu'on fait, si ça nous permet d'être ici maintenant, c'est une Ah. pratique. Ah, donc même faire du shopping ou la vaisselle, si ça te met ici et maintenant. Exactement. Ouais, exactement. Ma mère qui peint. Et qui, quand elle peint, elle me raconte, elle me le dit avec ses mots à elle, zéro spiritualité dans le contexte de ce qu'on est en train de dire ici. Tu vois, ça, elle me dit, quand je suis dans le faire, c'est-à-dire dans le corps, ça me ramène ici maintenant. Enfin, elle me dit, j'ai pas de pensée et je suis bien. Ça me ramène à une paix, à l'essentiel. Oui. Et là, il n'y a plus de problème. Ah, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a pas mal de gens qui sont depuis très longtemps dans une quête d'éveil, le chercheur spirituel est assoiffé d'absolu, comme je l'ai été, ou d'arriver à une fin, que ça soit assez, quoi, qu'il n'y ait plus de Oui. questions. Oui. Mais c'est très paradoxal, c'est que pour qu'il n'y ait plus de questions, il faudrait qu'il arrête de penser, en fait. C'est-à-dire que. Oui. Qui est un essoufflement de son mental, qui a une saturation. Donc il a nulle part, que ça soit OK, ici, maintenant, c'est tout. Sophie dit, Ici, c'est ce maintenant, et c'est maintenant. qu'on appelle la présence, en fait, finalement. C'est C'est ça. ça. Ouais. D'accord. Et au niveau du rapport au cœur, donc tu parlais du cœur, de l'amour, de ce sentiment. Est-ce que finalement, dans tes perceptions, cette idée d'amour inconditionnel ou d'amour total, d'amour divin, est une illusion ou existe vraiment? Est-ce que vraiment on peut percevoir le divin comme amour ou plutôt c'est un état détaché, donc finalement
ou c'est un concept humain, si tu veux. Est-ce que cet amour universel ou originel existe, ou est-ce que c'est nous qui le voyons, ou est-ce que le divin, finalement, est détaché de cette idée d'amour, puisqu'il est tout ? Partant du principe que tu es le divin, que tu... En fait, il y a... Si tu enlèves toute chose, qu'est-ce qui reste ? L'amour. C'est-à-dire, si tu enlèves tout ce que... Tu réduis tout à l'essentiel. On peut tout enlever, mais si on t'enlève l'amour, tu meurs. C'est-à-dire, c'est un peu c'est l'essentiel. Et... Oui. C'est lié, je veux dire, c'est inséparable de notre vraie nature, à mon sens en tout cas. C'est-à-dire que la conscience toute seule, elle peut ne pas être en contact avec l'aspect énergétique ressenti de l'amour. Il peut y avoir juste la pure présence, pure conscience, mais sans ressenti. C'est un des aspects, un des possibles. Oui. Donc là, comme je te disais, on peut aller vers la juste présente elle-même. Oui. Et c'est la paix, mais y a pas, on ne va pas forcément ressentir l'amour. Oui. Mais lorsque... et là, il va y avoir le mariage avec l'énergie oui. vitale, le chi, en fait. Oui. Le corps humain et l'être humain. Oui. Le vivant. Et là, il y a une forme de couple. Hein ? Le couple alchimique dont tu parlais, cette union. Oui, c'est ça. Oui. C'est exactement ça. À ce moment-là, on va sentir l'amour. C'est quand la conscience accueille le vivant. C'est-à-dire, c'est quoi de se sentir être ? Oui. Et en même temps, tu parlais de l'émotionnel non-duel. C'est-à-dire que finalement, comment tu positionnes cette idée d'émotionnel non-duel face à cette idée que l'amour, c'est le divin, finalement ? Ça tu n'a peux rien répéter à voir. La question ? De l'émotionnel non-duel. Oui. Qu'est-ce que tu entends par émotionnel non-duel ? Eh bien, justement, l'idée que on perçoit l'amour souvent depuis l'humain, si tu veux, et avec un filtre. Et au final, ben, quand on parle d'amour inconditionnel depuis l'humain, c'est peut-être pas la même chose que ce que tu décris de cet amour divin du mariage. De la conscience et de la manifestation. Et finalement, est-ce qu'il ne faut pas justement sortir de cette vision, si tu veux, limitée de l'amour pour accéder à ça, quoi ? Ouais. Tu vois, j'ai discuté avec Michael Zipper récemment, qui lui a vécu une expérience, je dirais, ultime. Il y a très peu, je crois, qui l'ont vécu comme il l'a vécu. D'amour total, de lumière pure, amour. Peut-être ceux qui l'ont vécu ont vécu ça dans des expériences de mort imminente. Oui. Et de lumière d'amour. Et donc ça, à la rigueur, c'est très rare. Mais ça peut être vécu aussi, à mon sens, quand on va vers les ondes supérieures aussi, quand on se concentre sur l'énergie. Oui. Moi, ce que j'ai vécu après, ce que j'ai pu vivre à travers ce basculement il y a 6 ans de ça, et que je continue à vivre, mais de façon, c'est moins extatique, c'est-à-dire c'est moins sur une durée, donc ça pouvait durer des heures et des heures, de ressenti de cet amour inconditionnel. Pourquoi inconditionnel ? Parce que c'est la sensation pure, la sensation énergétique d'une énergie qui émane toute seule, qui est rencontrée par la conscience, juste présent à cette énergie. Mais elle n'a pas de raison. Elle n'est pas justifiée par un contexte. Elle peut être hors contexte. Tu veux dire, elle n'est pas stimulée par la présence de quelqu'un ou la présence d'un animal ou par la joie. Il n'y a pas de raison ordinaire, c'est-à-dire de cause autre que la sensation pure. C'est-à-dire, elle se suffit elle-même. Et oui. Ça marche, ça se rencontre, cet amour inconditionnel, ça se rencontre. Depuis le silence intérieur. C'est possible depuis le silence intérieur, lorsque, premièrement, il y a silence, et ensuite, sensation d'être. Appréciation. Oui. Appréciation, en fait, amour d'être. C'est-à-dire de la rencontre. À quoi ça sert, tu me disais aussi que tu étais là, à quoi ça sert tout ce truc de... Toute cette expérience. Toute cette expérience. C'est parce que c'est la rencontre de la conscience avec le vivant.
Donc oui. La conscience, elle rencontre sa création, d'une certaine manière, comme ça. C'est ça qui est magnifique dans tout ça. Oui. La conscience qui est vide. Ouais, c'est ça, qui n'est rien. Voilà, la conscience qui n'est rien se rend compte dans la manifestation qui est une illusion. qui est le tout, qui est l'énergie, et ça peut se rencontrer dans ça tombe amoureux de sa création. D'accord. Donc il y a l'idée de cette union encore. Oui. C'est le. Ça se dit pas. Je suis amoureux de ma création, mais c'est-à-dire qu'il y a une présence, une intimité. Avec la sensation d'exister, avec la sensation d'être, il y a une joie d'être, simplement d'être, sans raison, en se sentant être. Et c'est aussi la création qui rencontre la conscience, quoi. C'est les deux, c'est dans les deux sens. Quoi. C'est ce double trajet, en fait, quelque part. Je n'arrive pas à me positionner dans l'autre sens. Ouais. Si je vérifie dans mon expérience, j'arrive pas encore. Peut-être que c'est possible, j'en sais rien. Je vois pas comment ça pourrait, mais on sait jamais parce que je mets toujours les trucs avec des bémols, moi, parce que c'est un 8, donc ça s'inverse, oui. En fonction de comment tu regardes. Donc peut-être. Comment je te disais, je fais pas de théorie, j'ai oui, d'expérience et après c'est tout, quoi. Ouais. Ben, c'est génial, c'est pour ça que j'adore t'avoir, parce que justement, t'es pas en train de nous citer, enfin, tu nous cites quelques bouquins, mais t'as ton expérience personnelle et c'est ça qui me plaît. Comment toi tu vois l'idée de réincarnation dans tout ça? Ouais, encore une fois, on va peut-être rentrer dans le paradoxe, et là, il y a une. D'un certain point de vue, ça veut rien dire parce que il y a pas de temps. Donc pour moi, c'est pas vraiment des réincarnations. Et en même temps, il y a un temps parce que on a eu un papa et une maman et des ancêtres. Hein, donc oui. Celui qui dit non, mais il y a pas de temps. Tu vois, c'est jamais tout juste ou tout faux. Ça dépend comment tu vois les choses, d'où tu vois les choses. Oui. Donc cette réalité-là, elle existe d'un certain point de vue relatif. Oui. Et donc la réincarnation, il y a quelque chose qui est vrai partout, ça s'entrecroise. Ce que j'ai pu percevoir au niveau de ce qui ne bouge pas en moi, c'est que ça pouvait avoir plusieurs corps. Donc c'est pas que ça se réincarne, c'est que ça existe à travers plusieurs corps de façon multidimensionnelle. Simultanée. Ouais. Simultanée. Mais cela qui ne bouge pas est en fait comme un point énergétique ou un point de conscience qui ne change jamais. Pour moi, l'âme, elle ne change pas, mais elle anime le corps. Elle est consciente. Parfois, ça s'entrecroise. Elle peut être consciente de plusieurs dimensions en même temps, mais généralement, elle est quand même associée à la présentement. C'est comme lire une tête de vinyle. Et si le présent qu'elle lit, c'est Emmanuel. Donc, elle lit à travers les yeux d'Emmanuel, un certain présent. Mais par contre, à travers cette incarnation-là, elle peut aussi connecter avec d'autres incarnations, ou même d'autres temps d'Emmanuel. Voilà, c'est ça. Et là, on arrive à... C'est-à-dire que ça s'entrecroise. Il n'y a pas vraiment de temps, et en même temps, c'est impossible pour la tête à comprendre. Je ne pourrais pas te dire comment ça fonctionne. Ben, écoute, juste on est tout oui. Mais j'ai pas non plus la clé globale pour pouvoir expliquer tout ça, puisque je vois que ça s'entrecroise, que tout s'interconnecte, s'interinfluence. Ouais. Et voilà. Ouais. Pour l'expliquer, c'est un D'accord. chemin infini, donc on se découvre comme ça aussi. D'accord. Si tu avais des... Je ne vais pas dire conseils, mais en tout cas des choses à nous transmettre pour cheminer vers ces états. C'est-à-dire que voilà, quel serait, bon, si je suis débutant ou si je rentre dans ce chemin-là, quelles seraient les premières marches, ou en tout cas des idées de première marche à monter ou à descendre ou à enlever pour accéder petit à petit vers ça? Oui,
c'est d'aller nulle part, c'est-à-dire de ne pas croire que c'est plus tard, mais que c'est les portes de la perception, c'est toujours maintenant. Donc toutes les portes de multidimensionnel, ou tout ce qu'on peut rêver ou pressentir être, exister, parce que j'imagine que ça sous-tend aussi cela dans la question, la connaissance qu'on est tout, en fait, et donc on pressent ça, parce qu'on est la conscience et elle est tout, mais oui. On peut se goûter de bien des manières, parce qu'on est tout, justement. Oui. Ça ne peut fonctionner que lorsqu'on ne cherche pas une idée limitée de soi-même. Donc, on n'est pas identifié une idée limitée de soi-même. Donc, on n'a pas déjà une idée préconçue de ce qu'on est. Donc, il y a un oubli, une innocence de ce que ça pourrait être. Pour ça, c'est en ça qu'il n'y a pas de « je veux ». Donc, le chercheur qui veut atteindre quelque chose doit cesser. C'est-à-dire, pour pouvoir entrer dans l'ici maintenant, il y a pas de demande à avoir. C'est qu'est-ce qui est maintenant ? En fait, c'est une honnêteté. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux constater dans mon expérience de maintenant ? Oui. Et là, c'est la porte. Qu'est-ce que c'est ? Comment je sais que j'existe ? C'est-à-dire, comment est-ce que je sens mon corps ? C'est quoi que je ressens ? Et là, en fait, quand on fait ça, il y a un truc magique qui se passe, c'est l'attention se retourne sur elle-même. Oui. Comme c'est tu disais, c'est comme on en a fait l'expérience tout à l'heure, quoi. Ça commence comme ça, hein. Ça commence par se questionner son expérience directe de l'instant. Oui. Et de ne pas projeter d'autres choses, de ne pas projeter qu'un miracle arrive, de ne pas espérer, de ne pas être dans l'espoir de quoi que ce soit. Oui. Parce que ce sont que des faux problèmes posés par... La plupart des choses, tous nos problèmes, nos souffrances, tout ça, sont des faux problèmes posés par le mental qui essaie de trouver des solutions. Mais dès qu'on se rend compte que c'est pas lui qui va nous aider, il va nous aider, si tu veux, dans une sorte de... Quand il devient fonctionnel, là, il peut être très utile. Mais sinon, c'est juste une question d'expérimentation directe, c'est-à-dire de ressentir ce qui est là. Oui. Quand, mais il y a bien des filtres qui nous empêchent, parce que là, c'est depuis le point de vue d'un être qui a vécu, enfin qui a ton vécu, mais comment on deal avec la souffrance, les pensées limitantes, les peurs, enfin, est-ce que t'as des trucs là-dessus, ou est-ce que c'est, pour toi, c'est un claquement de doigts et puis c'est instantané, ou c'est des illusions qu'on doit faire sauter, ou enfin, c'est pas si simple, en fait, malgré le fait que ça soit très simple. Ça va, ce sujet, hein, déjà. Ouais. D'accord. Ouais. Ça va, ce sujet. Il y a un paquet de souffrances et d'anxiété, de peur et de questionnement qui tombent quand on réalise notre vraie nature, quand on arrête les projections. Parce que quand je te disais, ça va répondre à beaucoup de questions, en fait, ça. C'est-à-dire, comment on fait stopper la recherche spirituelle ? C'est un peu du même ordre, comment j'arrête d'attendre un miracle pour que ma vie change, pour que je trouve enfin un boulot qui me plaise, pour que il se passe quelque chose, que ma situation change, pour que je sois enfin à ma place dans la vie, etc., etc. C'est pas dans l'attente, dans le truc. C'est-à-dire, ce sont des questions qui sont mentales. Et si la solution, c'était simplement, c'est-à-dire que la paix, la complétude, c'est pas dans le contexte. C'est-à-dire que tu peux, en fait, être très heureux dans un contexte très limité. Il y a des gens qui ont réalisé leur vraie nature sur le chemin des camps de la mort, en prison ou dans des situations très souffrantes physiques, etc. Parce que s'il y a bonheur à tout, enfin, s'il y a une paix durable, on va dire ça plutôt comme ça, parce que bonheur, c'est encore autre chose. Enfin, je veux dire, il peut y avoir des bonheurs relatifs ou passants, etc. Mais si tu cherches quelque chose qui ne dépend d'aucun contexte et qui peut t'amener à une paix, ça va sortir du contexte de circonstances. C'est-à-dire que peu importe les circonstances, à un moment donné, c'est pour ça que je dis, il faut retourner l'attention à un moment donné, c'est-à-dire vers comment je me sens. Parce que là, on revient à l'instant présent. C'est que la paix, elle ne se trouve pas dans un truc qui peut changer pour nous dans le contexte extérieur. On peut l'attendre longtemps,
si on est dans le contexte d'une prison, si on est dans un contexte particulièrement déplaisant. Mais par contre, il y a une solution. C'est qu'il y a quelque chose en nous qui est en dehors de tout changement, et c'est ça qui est la paix durable. C'est cette reconnexion avec ce qui ne change pas. Tu me demandais tout à l'heure, est-ce qu'on peut faire une expérience? S'il y avait un truc pour faire cesser la recherche, c'est-à-dire n'importe quelle recherche, ça serait de trouver en soi, de regarder, de sentir, qu'est-ce qui en vous ne change pas maintenant, dans le maintenant. Peu importe le maintenant, vous pouvez faire ça dans 10 minutes, mais ce sera toujours la même réponse. Qu'est-ce qui en vous ne change pas, ne change jamais? Alors, attends, je vais essayer vraiment de... Ben, c'est la présence, en fait, quelque part. C'est ça. Elle a besoin d'aucun contexte. Et elle n'a pas de ressenti, de souffrance, d'historique. Elle n'a besoin d'aucun contexte pour être complète. La paix, elle se trouve là, essentiellement. C'est pour ça que je dis, ça ne demande pas 10 ans de quête spirituelle pour en arriver là. Ça demande juste de se poser la bonne question. Et il y a quand même des filtres qui nous éloignent de la... Enfin, si tu veux, c'est comment je pose un regard plus ou moins distordu sur ça. Parce qu'au final, pour moi, c'est enlevé. Si tu veux, tout le chemin a toujours été d'enlever. Mais il y en a pour qui c'est rajouté, mais pour moi, c'est enlevé. Mais enlever permet finalement d'enlever des voiles ou d'enlever des illusions ou d'enlever des distorsions de ce que tu dis. Parce que je prends le mot amour, je prends le mot présence, je prends le mot divin. Est-ce que finalement je vais vraiment les percevoir un jour tels qu'ils sont réellement ou tels que mon filtre limité et distordu peut le percevoir? Donc tout ce que tu dis pour moi c'est vrai si on en arrive à atteindre l'essence même de ça. Mais est-ce que c'est vraiment possible d'en atteindre l'essence? Par exemple, même de la présence. C'est ce que je te disais, c'est empirique. Que la plupart des questions cessent parce que il y a un silence intérieur qui se fait. Ce silence est la réponse. La complétude qui se fait sentir depuis ce silence, il y a besoin d'aller nulle part ailleurs. Il n'y a pas de manque qui vient de ça, qui générerait une souffrance qui nous pousserait à vouloir autre chose que ça. En fait, tu commences à trouver le sens de la vie dans le fait même que peut-être que tu arrêtes de le chercher. Oui. Tu vois. Alors, c'est OK, il y a un repos qui se fait. Oui. Le sens de la vie, c'est d'être. Oui. Le but de la vie, c'était d'être, de vivre. Donc, c'est cet état de renoncement, en fait, quelque part. C'est le renoncement au vouloir. Je voudrais que les choses soient autrement que ce qu'elles sont. OK. Ah. Peut-être. Il y a, à un moment donné, il y a ça qui peut se passer pour... parce que le mental, il se suffit pas du silence. Il se suffit pas de l'absence de lui-même, en fait. Il se suffit pas de ça. Il en veut toujours plus. Oui, mais. Il y aura toujours un oui, mais. C'est le mental. Ouais. Ouais. Donc, il peut y avoir aussi besoin d'un épuisement, d'un... tu vois, c'est même pas un choix. C'est que le choix, c'est OK, quand tu sais que le seul truc que tu as à faire, c'est d'être ici maintenant, de rester présent, d'arrêter de chercher un éveil ou un truc imaginaire, c'est-à-dire de représenter ou visuellement voilà. Imaginer. Une représentation fantasmer. D'éveil, quoi. C'est ça. Voilà, si tu veux, moi, à un moment donné, j'ai tué le chercheur. C'est-à-dire, le seul truc que je savais qui était efficace, c'était d'être ici maintenant. C'est tout. Et 2 ans plus tard, quand il n'y a plus de compromis là-dessus, 2 ans plus tard, il y a eu cette réalisation. C'est ce que j'avais vu comme titre dans cette série de films qui s'appelait Samadhi. Il disait le dernier, c'était le chemin sans chemin ou sans route. Enfin, c'est l'idée au moment où en fait la quête, elle a besoin de sauter pour qu'on arrive. Enfin, s'il y a une quête, il y a pas de, on peut pas l'atteindre en fait. C'est ça. En gros. Voilà, c'est ça. C'est c'est ça, c'est... Ouais. C'est que tu es ce que tu cherches. Ah, oui. Donc, faut-il aller très loin pour se trouver, si tu es ce que tu cherches? Eh oui, c'est ça.
Alors, on s'approche de la fin tranquillement. Sophie dit, du coup, se rappeler la présence le plus de fois possible dans la journée pour finir à y goûter en chaque instant, quoi. À chaque instant, quelque part. Est-ce que c'est un petit peu ça que tu... Oui, bah oui. C'est-à-dire que... qui est une appréciation de l'ici et maintenant. Oui. Comme ça, c'est pas un effort, si tu veux. Sinon, ça devient ce que quand si c'est simplement de couper le mental et de revenir dans le corps, ok. Mais s'il n'y a pas d'appréciation, c'est pour ça que des fois je dis dansez, amusez-vous, mangez des bonnes choses, soyez oui. dans ce que vous faites, parce que là, oui. ça se fait tout seul. Écoutez de oui. la musique, laissez-vous oui. absorber dans oui. la pure écoute. Soyez le tout de cette oui. magnifique création, parce que là, le moi, il fond quand on est complètement aussi. On peut utiliser la voie du discernement pour découvrir ce qu'on n'est pas, comme tu me l'as décrit aussi. C'est-à-dire que toi, tu as fait, j'ai l'impression, un chemin de oui. dépouillement, de oui. soustraction. Oui. Mais d'un autre côté, on peut compenser ça par une dissolution de ce moi qui se croit séparé, par le fait de sentir profondément l'expérience, d'être un avec l'expérience, donc d'être un avec la musique. Oui. D'être un avec. Quand vous nagez en piscine ou dans, oui. ou dans la mer, d'être un avec le mouvement. Parce que j'ai l'impression d'être le toucher. J'ai l'impression que tout ça, enfin, de ma perception, l'éveil, c'était presque... Non, dans l'inconscient collectif, on va dire, l'éveil, c'est un état presque ascétique. Tu vois, et ce que tu nous dis, c'est qu'on peut aussi, finalement, être des bons vivants et atteindre ces états de voilà, qu'on n'a pas besoin de se priver de tout pour atteindre ça, en fait. Non, du tout. Non, du tout. Au contraire, la voix de l'artiste, le Rupa Yoga, c'est aussi ça. Où en fait, tout ce qui nous amène à être ici et maintenant, ça va être ça. La voix de l'artiste, un artiste qui voit un paysage, qui est complètement absorbé dans l'utilisation des couleurs. Oui. Il est dans le flow. Et là, il y a à un moment donné, il peut y avoir, je sais pas, une jouissance profonde. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de questionnement. On est complètement là ici maintenant. Il n'est pas en train de se raconter des histoires aussi. Donc ça oui. se réunit. Ça se réunit oui. dans l'expérience. On est un avec l'expérience. Regarde, c'est un chemin d'unité. Ça. Oui. Oui. J'entends. Ça ne veut pas dire qu'on réalise que la conscience revient sur elle-même et qu'elle réalise que le vide est réalisé. Mais par contre, le tout peut être vécu. L'expérience du tout peut être vécue. C'est un truc à deux faces. Comme je te disais au début, c'est une pièce à deux faces. Ça peut être vécu dans des phases différentes. Mais la plupart des gens vont suivre une voie qui les amène à dissoudre leur impression d'être un moi séparé par l'expérience sensorielle, par l'expérience sensuelle, par la sexualité aussi, par la nourriture. Oui. Un bon hédoniste, c'est quelqu'un sur en quête spirituelle, tu vois. C'est quelqu'un qui mes parents sont des bons exemples aussi, c'est-à-dire c'est des bons vivants oui. et des contemplatifs de l'art, mais ils vont pas parler de spiritualité. Et pourtant, je vois que cette expérience-là est très intense, c'est-à-dire qu'il y a une transcendance qui se fait oui. au travers des sens oui. aussi. Oui. Transcendance du moi qui se croit séparé. Oui. Je suis l'expérience pure, l'expérience du goût, tu vois, oui. l'expérience de l'audition oui. dans la musique. Ça devient extatique. J'ai l'impression de vraiment faire des va-et-vient à chaque fois. Exact. Ouais, entre les deux, c'est-à-dire un état de vie plein et des fois je suis dans un extrême, des fois dans l'autre. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est... Et juste un dernier point sur quelque chose qu'on n'a pas abordé, ces idées de fractal. Est-ce que finalement, parce que tu parles de la vague, de l'océan, mais les gouttes d'eau. C'est-à-dire que, est-ce qu'on est finalement parallèle? C'est-à-dire, est-ce qu'on est finalement holographique fractal? Ou est-ce qu'on est... Enfin, comment tu nous perçois vis-à-vis de la conscience et du divin en tant que manifestation? Parce que dire on est le tout, c'est difficile à intégrer, en fait, si tu veux. Ouais, on est le tout qui fait l'expérience d'un point de vue relatif aussi. Donc c'est... Parce que même si je m'aperçois que je suis l'arbre, ça va être l'expérience d'Emmanuel. C'est-à-dire au travers de cette interface-là qui voit cet arbre-là, cet instant
particulier et c'est pas la tienne, tu vois. Donc il y a pas de c'est quand on dit je sais que je suis tout. C'est parce que je suis l'ici et maintenant global. Alors je suis là sans distinction. C'est l'expérience elle-même, je suis l'expérience elle-même. À ce moment-là, ça peut être vécu comme ça aussi. Ça peut être vécu comme, ça peut être vécu de plein de façons, l'expérience de je suis tout. Est-ce que c'est fractal ? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre en fait. Il y a une impression que c'est infini, c'est-à-dire que la totalité se sert du relatif pour découvrir qu'il est la totalité. Et en même temps, c'est quand même d'un point de vue relatif. C'est-à-dire, c'est quand il découvre qu'il est la totalité, mais quand même un prisme qui est relatif, tu vois. Même quand tu vois une fractale, il y a plein de choses dans une fractale. Même si tu retrouves la totalité, tu es quand même à un bout de la fractale. Tu vois. Oui. Si tu pars de ce bout-là, tu pars pas de ce bout-là. Oui. Si on prend un modèle de Mandelbrot, mais oui. Oui, exactement. Donc ça ressemblerait assez à ça, quand même. Oui. C'est que même dans la fractale, il y a un point de vue relatif. Oui. Si tu pars de ce point de vue-là. Oui. Est-ce qu'il y a des points qui te semblent structurellement fondamentaux qu'on n'aurait pas abordé ce soir et qui manquerait à une compréhension, plus approfondie du sujet. On se rappelle. Non, je suis plaisante, je ne sais pas. Là, sur le coup, non, je ne sais pas. D'accord, on fera le topo. C'est ça, on fera le topo. Je ne vois pas. Non. D'accord. Mm. Bah, écoute. Okay. Voilà, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour du sujet, en tout cas, enfin, de ce que j'en ai perçu. Eh bien, écoute, Emmanuel, merci. Je sais que tu es plus du matin que du soir, donc merci pour c'est l'effort ça. De te rester. C'est l'heure du dodo. C'est jusqu'au bout de ton couche-tard. Et voilà. Je t'en remercie, Stine. C'était vraiment très, très chouette. Et puis, vraiment, la communauté... Vibration de Belle-Terre a vraiment adoré, je l'ai vu dans les commentaires, tout ce que tu nous as partagé, ça a vraiment vibré pour nous tous, enfin, c'est vraiment un grand moment que tu nous as fait vivre. Et... Je vous remercie beaucoup, j'ai pas entendu, voilà. Je regarderai. Oui, après il y a plein de commentaires, mais oui, voilà, en tout cas, il y a plein de remerciements, et vraiment, c'est très très chouette. Et puis, écoute, bonne continuation, donc tu m'as dit que tu avais des événements au printemps, je crois, c'est ça, ou des stages, ou... Ouais, le premier. Pour l'instant, qui est organisé déjà, c'est une rencontre sur à la Ciotat, un week-end à la Ciotat qui est organisé centre Zero Gravity et qu'on peut trouver ça sur mon site. Voilà, qui est aussi commentaire. Et puis il y a aussi ta chaîne YouTube qui est en commentaire. Après, il y en aura d'autres. Hein. Il y en aura d'autres. Voilà. Après, oui, il y a la chaîne YouTube et puis aussi je ferai des satsangs, c'est là comme on fait des échanges aussi et des questions-réponses. Ce sont des. De temps en temps, quand ça me prend, j'en propose un. C'est gratuit, c'est en ligne, c'est en direct. Et donc, on peut échanger entre nous. Donc, ça, c'est depuis ton site qu'on s'inscrit pour. Je mettrai un lien Zoom ou StreamYard, comme là, je suis en train de découvrir que c'est pas mal aussi. Je ne sais pas si à voir. Spontanément, comme ça. Ouais. Et sinon, des week-ends seront organisés ici et là. Au courant de l'année, ce sera annoncé. Je pense que j'irai dans le Nord à un moment donné. Puis sinon, je vis dans le Médoc. D'accord. Donc, il y aura des trucs aussi dans le Médoc. Ouais. D'accord. Donc, c'est en work in progress, quoi. C'est ça. C'est pas encore défini, mais... Oui, et peut-être en Bretagne aussi. Parce que l'année dernière, j'ai proposé une retraite en Bretagne, à Sarzeau. Je crois que ça va se refaire aussi. Voilà. Ah, et puis bientôt. Voilà. T'as Laurence qui dit super ta chaîne Emmanuel, merci. Donc, merci voilà, Laurence. Il y a besoin d'intégrer, je pense, toutes les connaissances que tu nous as partagées ce soir. Écoutez, merci à toutes et à tous qui assistaient à nos émissions parce que vous permettez à tout cela d'exister, voilà, par votre présence, vos questions, votre soutien, enfin, votre intérêt. Vous êtes vraiment une super communauté. Vous avez toujours des questions très pointues, très pertinentes. Donc, je me sens très heureux d'avoir une communauté comme ça, voilà, très présente et pertinente. Donc, merci à vous tous.
Merci encore Emmanuel, et puis ben j'espère à très bientôt, et puis voilà, merci, bonne nuit. Merci à toi. Ciao. Enfin te reposer. Et puis moi, non, c'est vrai que je suis du soir, mais c'est pas tout le monde. Voilà, il y a Didier qui dit qu'il est aussi dans le Médoc. Allez, et ben belle soirée à toutes et à tous, et à très vite. Au revoir.